Salut à tous les amis et bienvenue dans la cage de Mandal, votre émission sport de combat sur la Winamax TV. On va parler boxe, on va parler MMA aujourd'hui, on a un très très gros programme et je vous rappelle qu'on est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Et j'en rajoute une petite, c'est une journée exceptionnelle aujourd'hui, 19h, soyez présents sur la chaîne YouTube Winamax puisqu'il y a une nouvelle interview qui va sortir. Ouais. Oumar Sy, le nouveau combattant français qui va arriver à l'UFC dans la catégorie des moins de 93 kilos. Petit portrait préparé par Jonathan McCarty. L'occasion pour moi de présenter l'équipe du jour parce qu'on est très nombreux aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire vite pour laisser la parole à tous ceux qui vont débattre. À ma droite, j'ai la Gracie Barra qui est bien représentée. Jonathan McCarty, indéboulonnable. Julien Cazier, bien sûr, head coach. Comment ça va les amis? Super. Je pense que c'est Julien qui a beaucoup de choses à raconter sur son week-end. Tout de suite, ça m'a laissé penser que j'ai fait des conneries. Non, non. Je suis un peu fatigué, je ne vais pas vous mentir. Je arrive tout juste de Las Vegas, mais franchement, j'ai passé une super fin de semaine. Il y avait beaucoup de choses à voir. On en parlait avec Big John tout à l'heure et on a beaucoup de choses à se raconter aujourd'hui, donc bon, c'est cool. On est content de vous avoir. On a hâte d'entendre les débats et j'aimerais un jour, moi aussi, prononcer ce genre de phrase. Ouais, je reviens de Vegas, je suis un peu fatigué, mais tout va bien. Je reviens de Los Angeles, tout va bien. À ma gauche, on a un ancien et on a un nouveau venu. On va commencer, on va rendre hommage aux anciens. Big John de Paname qui fait son retour. Comment ça va, Big John? Bah écoute, ça va. Team plus d'un mètre 80 face à team moins d'un mètre 80. On a des briefs du week-end de Julien à Las Vegas, dans les strip clubs. Je fais un 80, qu'est-ce que tu racontes? Dans les super strip clubs de Las Vegas. Il y a Team Gras et Team Gras et Team Fit. Wow. Wow. Pareil, il voulait dire 1m90. Non, allez, je suis, non, un 82, 86. 3. Pardon. En fait, c'est toi le gros programme aujourd'hui. C'est ça, n'importe quoi. Quand bon, en tout cas, ravi d'accueillir à nouveau avec moi. Bah oui. Pour une fois, je ne suis pas tout seul. Il est plus grand que toi, non? Je vais le présenter parce que le pauvre, vous êtes déjà là en train d'envoyer des missiles dans tous les sens. On reçoit Hannes de Culture MMA, donc créateur de contenu. On te retrouve sur ta chaîne Twitch Culture MMA, sur YouTube aussi la chaîne Culture MMA. Plusieurs concepts originaux, Gray & Fight, que moi j'adore personnellement. Bon. Parce qu'on sait que j'aime bien manger. Ça se voit, ouais. Voilà, merci. J'étais sûr que t'as des. Toi, tu vas dans la team Hannes et. Moi, je viens sur les tournages, ouais. Je viens après la vidéo juste pour manger. Donc, allez faire péter les contenus et bienvenue à toi, Hannes. Merci, merci Sacha. Moi aussi, gros week-end chargé, mais pas pour les mêmes raisons que Julien, mais un gros week-end chargé aussi. Ok, d'accord. J'en dirai pas plus, sinon ça risque de sauter. Ok, d'accord. Et big up Guillaume Pelletier qui est déjà dans le chat. Ah, c'est normal. Oh. Top team. Qui est un régulier, et puis bah, tous les réguliers dans le chat, on vous salue également. Bienvenue à vous. Le sommaire qu'on va pouvoir vous afficher tout de suite, c'est simple. On va alterner entre la boxe, l'UFC, on va partir en Pologne rapidement aussi. On va parler évidemment de Tony Yoka. Est-ce que sa dernière défaite, c'est une honte pour la boxe française? Oui, le titre est un peu dur, mais c'est parce que finalement, on avait beaucoup d'attentes envers Tony Yoka et on n'est pas forcément au rendez-vous. Ensuite, on étudiera la carte de l'UFC 296, ah ouais. Dernier événement numéroté de l'année. Ouais. Que des combats classés à l'exception d'un sur la carte principale, mais un combat intéressant quand même. Et on pourra faire un point sur la catégorie des moins de 77 kilos, parce qu'il y a 3 combats dans cette catégorie sur cette carte. Il y a un Français aussi qui a débarqué, qui a déjà fait son deuxième combat dans cette catégorie-là. On pourra se poser des questions sur est-ce qu'il a un avenir dans la KT, est-ce qu'il peut intégrer le top 15, Kevin Jousset. Ensuite, direction la Pologne, Saladin Parnasse, qui va tenter de relever un défi pour marquer l'histoire du MMA. 3 ceintures dans 3 catégories de poids en même temps. Ça se passe ce week-end, c'est juste avant l'UFC 296. Et bien sûr, à la fin, les pronos de la carte, tout va bien. On ne fait pas un sujet sur, bon, pour Julien sur Anna Goldie, qui gagne à l'UFCPI, Invitational, le truc de grappling de l'UFC, et puis sur la retraite du Golden Boy, Michael Ben Simon. Non, pas encore. Ça t'a pas marqué, ça? Bah franchement, j'ai plus été marqué par le Sen Keita que par Michael Ben Simon. Attends, c'est un événement, tu rigoles. Il a pris sa retraite après un échec pour une deuxième ceinture mondiale. C'est un truc de ouf, quand même. Moi, j'ai découvert ça sur les maîtres fumiers. J'avoue que j'avais même pas suivi le truc. Juste en switchant, je fais « Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bon, vous êtes dur, il a un bilan de 2 victoires pour 2 défaites. Ça reste... Et une ceinture mondiale. Ça reste honorable. Une ceinture mondiale. Attention. Mais par contre, Anna... Je pense qu'il le dit avec encore moins d'aplomb que toi. Anna Goldie, très belle clé de bras. Je suis désolé, t'es très dur. Parce que autant je la trouvais pas terrible sur le, à l'UFC, je trouve qu'elle avait pas sa place dans le roster. Mais là, pour le coup, son combat face à une fille qui était très très forte était très intéressant. Ouais. L'UFC Fight Pass, de toute façon, c'était J'espère qu'on fera des petites capsules juste pour ça, pour Anna Goldie, pour Michael Ben Simon. On sera assez gros pour faire des sujets. Au OnlyFans d'Anna Goldie, on le sait. C'est vrai. Et je ne paye pas, bien sûr. Je prends le compte d'un pote qui paye pour moi parce que je suis un crevard. Ça va. Exactement. Les amis, je vous propose d'attaquer tout de suite avec la pesée. On va parler de boxe, on va parler de Tony Yoka, bien évidemment. C'est parti. Bon, ça s'est passé samedi soir. C'était à Roland-Garros. Et malheureusement, c'est la 3e défaite consécutive pour Tony Yoka chez les poids lourds et en boxe professionnelle. Lui qui avait bien commencé avec 11 victoires de suite dans la construction de sa carrière. Il a alterné donc une split decision, décision partagée, ensuite
une décision majoritaire sur laquelle il s'incline face à Carlos Takam. Et là, c'est une décision unanime. Tout le monde l'a vu perdre. Ils ont corrigé après en cours de route où ils disaient qu'il y avait peut-être un juge qui voyait Tony Yoka gagner. L'essentiel, c'est que bon, ça reste une défaite. On se rappelle qu'il avait signé un contrat d'environ 8 millions d'euros avec Canal qui faisait sa promotion, plus les combats, etc. On va regarder. Sur 4 ans, c'est important de le dire. Et là, il y a eu la suspension. Tu sais, quand il s'est fait prendre parce qu'il a loupé un contrôle antidopage, ça fait que le contrat était un peu rallongé. Ouais. Et donc, on va regarder un petit peu parce que j'ai compilé les différentes déclarations. On va suivre un peu la chronologie de ce qui s'est passé dans ce combat. Les premières déclarations de Tony Yoka juste avant le combat, tout ce qui s'est passé ces deux dernières années, j'ai mis tout de côté. Je pense que j'ai fait le point et là, ça fait plusieurs mois que je suis prêt, que j'en veux. Et franchement, je pense que dès le premier round, vous allez comprendre ce qui va se passer. On a toujours ce sens de la formule, ce côté qui peut paraître parfois arrogant parce qu'on sait que la perception française, quand tu as très confiance, c'est souvent de l'arrogance. Derrière, il y a le résultat et il y a cette déclaration de Fabrice Tiozzo qui lui parle directement à Tony Yoka qui dit « On dirait que tu es toujours sur la retenue après le combat. C'est très dur aujourd'hui de juger ton combat round par round, mais si on fait un truc général, il a touché vachement plus fort ton adversaire. » On parle de Riyad Mehri. Tes directs du gauche sont forts, mais est-ce qu'on gagne un combat avec des directs du gauche? Et enfin, la dernière déclaration de Tony Yoka juste après le combat, on lui demande « Vous avez envie de continuer ?» Il dit « On va en discuter avec ma team. » Je ne pense pas que ce soit la question à se poser maintenant. Alors, juste avant de vous donner la parole, messieurs, je vais lancer un sondage dans le chat et vous répondez simplement par oui ou par non. Est-ce que pour vous, Tony Yoka doit continuer sa carrière de boxeur professionnel chez les poids lourds? Dans le chat, vous mettez oui ou non, c'est très simple. Maintenant, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même terrible parce que autant, tu vois, j'étais un peu circonspect sur la montée en niveau quand il affrontait Martine Bacollet. Très circonspect sur le choix d'un adversaire de rebond comme Carlos Takam, mais là tout était réuni pour qu'il gagne. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. C'était un mec qui venait de la catégorie de jiu-jitsu, qui lui rendait 20 cm d'allonge, qui lui rendait de la taille. Certes, c'était un mec qui était un ancien contender WBA, mais je suis désolé, c'était un combat où tout était réuni pour que Tony Yoka brille et il s'est une fois de plus effondré. Alors on va pouvoir discuter du pourquoi, du comment. Je pense que le combat, c'est très clair pour tout le monde. Bah, Riyad Mehri le gagne très facilement. Et tout ce qu'on attendait de voir de la part de Yoka sur ce combat, à savoir un sursaut d'orgueil, à savoir le travail avec son nouvel entraîneur, Don Charles, parce qu'il est quand même passé de Virgil Hunter, qui est quand même un super entraîneur, à un autre super entraîneur, Don Charles, qui entraîne notamment Dubois, qu'on a vu mettre en difficulté Uzi il n'y a pas si longtemps. On s'attendait à des choses. Le problème, c'est que là, il n'a rien montré. Alors maintenant, avant de laisser la parole à mes camarades, la question que moi je me pose, il y en a beaucoup de questions, c'est premièrement, est-ce qu'on n'a pas enfin la preuve par A plus B, moi j'avais déjà ma petite idée avant, mais la preuve par A plus B que Tony Yoka est un excellent boxeur olympique et n'est pas fait pour la boxe professionnelle? Est-ce qu'on n'a pas la preuve une nouvelle fois par A plus B que ce contrat avec Canal+, même s'il était lucratif, bah, c'était pas une pilule empoisonnée qui fait que sa carrière ne pourra jamais décoller? Ça, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Et le troisième des points, c'est que forcément, sur la suite de sa carrière, bah, je pense qu'il sera toujours capable de se faire un petit chèque ou deux. Mais là, je pense qu'on peut définitivement dire que ses espoirs pour une ceinture mondiale sont clairement enterrés. Mmh. Est-ce que pour vous, c'est une honte? Parce que le terme est fort. Je sais que le titre peut faire réagir. On parle quand même d'un mec qui, avant ce combat-là, il est dans les 25 mondiaux de sa catégorie. Donc, ça reste quand même l'élite. Mmh. Pour vous, ça dépend comment tu le présentes. Est-ce que c'est une honte pour la boxe française? C'est-à-dire, est-ce que c'est une boxe pour le niveau? Non, parce qu'il y a des boxeurs, notamment je pense aux prestations que les boxeurs français ont rendues à Marseille, notamment avec le superbe KO de Bilal Kitou il y a 15 jours. Ouais. Je pense à Souley Sissoko qui est en pleine ascension et qui va avoir sa chance mondiale. Christian. Évidemment, c'est un ami, mais les gens vont dire c'est ton ami. Non, mais Christian, il fait partie de l'élite mondiale. Comme ça, c'est moi qui l'ai cité avant toi, on est tranquille. Ouais, merci. Mais en fait, c'est une honte parce que ça prouve bien que l'économie de la boxe a mal jugé. Et il ne fallait pas être polytechnicien pour savoir qu'investir 8 millions d'euros sur Tony Yoka, ce n'était pas miser sur le bon cheval. Mmh. Les bons chevaux sur lesquels il fallait miser, c'était Souley Sissoko et Christian Mbili. Et malheureusement, aucun gros diffuseur français n'a fait ce pari-là. Et du coup, oui, c'est une honte pour la boxe française. Ouais, okay. Mais tout le monde l'aurait fait. Enfin, excuse-moi de te couper là-dessus, mais tout le monde l'aurait fait. Parce que regarde bien, à l'arrivée, si on regarde, on avait un champion du monde amateur poids lourd, champion olympique, tout le monde aurait fait ce pari de derrière miser, commencer à vouloir investir, à arriver. Techniquement, on avait vu pendant les Jeux que c'était compliqué. Contre Dragovic, il perd. Oui, bien sûr. Soit, mais contre Dragovic en demi-finale, c'est un vol. Mais je suis d'accord, avec le recul, tout le monde a envie de mettre de l'argent plutôt sur Christian et puis se dire Christian, c'est. Mais finalement, à l'origine, quand tu regardes bêtement les statistiques et les chiffres, tu as un champion du monde amateur, un champion olympique, un type qui est en pleine ascension en poids lourd, qui est la catégorie reine, ouais. Tu as envie de lui dérouler le tapis rouge. Le côté et lourd, j'ai écouté Alex Herbinet tout à l'heure qui disait que même RMC l'aurait fait, Canal l'a fait, tout le monde l'aurait fait. Tu sais qu'RMC, ils voulaient Christian. Oui. Ils voulaient Christian. Sauf que la proposition qui lui a été faite.
bah voilà. À l'époque, c'était SFR Sport qui était en concurrence avec Canal+, qui proposait plus que Canal+, pour Tony Hawk. Pour Tony, ouais. Pour et ça, il faudra qu'on en parle de ce que Canal+ a proposé, la manière dont le choix s'est fait, c'est très bizarre. Je voulais vous donner la parole justement parce que toi, je sais, John, qu'il y a des liens aussi avec Tony qui font un petit peu. C'est intéressant. Moi, déjà, forcément, quand j'ai vu le titre tout à l'heure, je me suis dit, mon Dieu. Non, c'est pas une honte, mais c'est une énorme désillusion, une déception. En fait, plus il y a d'attentes auprès d'un combattant, d'un athlète en général, et plus forcément on tombe de haut. Mais quoi qu'il arrive, quand t'as un mec qui est champion olympique, c'est, surtout en France, excusez-moi, mais on n'en a pas eu tant que ça en boxe. Le dernier dont je me rappelle de mémoire, c'est Brahim Asloum, et il faudrait vraiment regarder. En fait, s'il y en a eu d'autres, médaillés, on n'a pas eu tant que ça. Puis donc, tu l'as vu la liste des champions du monde, des champions olympiques poids lourds, le tracking qu'il y a derrière, il y a quand même des sacrés noms. C'est que des mecs qui ont fait des carrières monstrueuses. À deux près. Donc non, en fait c'est une désillusion et c'est embêtant pour plein de choses. Déjà la première chose c'est que en effet Canal+ a investi 8 millions sur lui. On peut penser que ça va être problématique pour la suite de la boxe en France parce que je ne vois pas Canal+ réinvestir autant d'argent sur un autre boxeur. Et ça veut dire que déjà, la boxe, il n'y a pas énormément de sous en France. Pour les prochains, ça va être un petit peu problématique. C'est le point le plus important que tu soulèves. D'envisager une carrière dans la boxe. On le voit déjà avec la montée du MMA, ça devenait de plus en plus compliqué pour le monde de la boxe parce que de plus en plus d'athlètes de sport de combat se tournaient vers le MMA. Là, ça va être encore plus problématique. Moi, en fait, je veux juste revenir sur un point. En fait, il y avait tout qui annonçait cette chute, malheureusement. Je pense que le problème de l'argent, c'est que ça lui a mis dans son entourage ce qu'on appelle des béni oui-oui. C'est des gens qui disent oui à tout, qui disent oui, t'es génial, et en fait, qui ne te disent pas ce que tu veux, qui ne te disent pas ce que tu dois entendre, mais ce que tu veux entendre. Moi, j'ai le souvenir dans son deuxième combat face à Jonathan Rice, où il avait été au sol et il avait été mis en difficulté, et on disait il a été mis au sol par un videur de boîte de nuit. Ce combat aurait dû être un déclic et un réveil. Malheureusement, il n'y a pas eu d'énormes progrès qui ont été faits depuis. Tu en plus, comment, en lourd. Toi qui le connais, tu l'expliques comment? Parce qu'il était quand même avec Virgil Hunter, c'est pas n'importe qui. Oui, mais t'es avec Virgil Hunter 4 heures par jour. Et t'es à Paris dans ta zone de confort. À un moment donné, si tu ne vas pas chercher un autre endroit où tu peux t'enlever tout ce qui va te parasiter en dehors, les amis, etc. Mais ça a été pendant un laps de temps. Ouais. Et après, il y a aussi la force mentale qui le fait. Moi, quand j'ai eu les quelques échanges que j'ai eu avec lui, j'ai toujours eu l'impression qu'il voulait vraiment aller au-dessus de ça. Malheureusement, ce n'est pas passé. Moi, je pense vraiment que son entourage a joué. Je pense que l'argent lui a un peu tourné la tête et que ça l'a mis dans une situation de confort que normalement, on n'a pas chez les jeunes boxeurs. En général, quand tu es un jeune boxeur, tu galères, tu prends des sommes de pacotille et c'est là que ça te donne envie de te surpasser pour justement aller chercher les plus gros trucs. Lui, regarde Christian qui est parti s'expatrier à Montréal, dans le dur, mais parce qu'il a décidé d'aller dans une salle où il allait avoir de la très bonne opposition. Christian, il s'entraîne avec David Lemieux, avec Arthur Beterbiev. Il a des mecs qui sont durs à la salle tous les jours. Il a fait le choix de se mettre en difficulté et ça paye. Mais Big John, tu soulèves le point le plus important, c'est que d'une part, c'est catastrophique pour l'économie de la boxe parce que c'est vrai qui maintenant va miser sur un boxeur. Ça, c'est, je redis tes mots, mais parce que c'est pour moi le point le plus important. Mais après, sur le choix de l'entourage, rappelez-vous quand il signe avec Canal+, il explique qu'il a des projets avec Cyril Hanouna. Il y a Cyril Hanouna qui est au premier rang de la conférence de presse de l'annonce avec Canal+. Alors justement, moi, quand je parle d'entourage, que les choses soient claires, quand je parle d'entourage, je ne parle pas d'entourage boxe. Le choix de l'entraîneur et tout, ça, c'est autre chose. Moi, je te parle vraiment de toutes les distractions hors boxe qui ont eu un impact sur sa vie. Et je pense en effet qu'il a d'abord pensé à devenir Mayweather, le businessman, alors qu'on a oublié que Mayweather, avant d'être un businessman, est surtout l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Mais alors, je te retourne la question. C'était mettre la charrue avant les bœufs. Je te retourne la question. Est-ce que tu as suivi, donc t'es ami avec tes copains, avec Tony? Connaissance, je dirais pas à moi, on se connaît. Tony, la première fois que je l'ai vu boxer, c'était sur la chaîne L'Équipe. Je sais pas si tu te rappelles de ça, c'était le World Series of Boxing dans l'équipe Paris United de Brahim Asloum. Vous vous rappelez de ça? Il y avait des équipes, en fait, tu avais tous les mecs de l'INSEP en amateur qui affrontaient sans casque, avec t-shirt ou parfois sans t-shirt. Dans l'équipe, il y avait Alexis Vastine, Nordin Oubali et il y avait Tony Oka, qui était tout jeune, qui avait une vingtaine d'années. Est-ce qu'à un moment de la carrière amateur de Tony, tu t'es dit, ce mec-là, il a ce qu'il faut pour passer en pro? Pour moi, j'ai toujours vu un boxeur amateur qui était brillant dans sa capacité à toucher, mais qui était comme une poule face à un couteau au clinch, qui les encaissait très mal et qui frappait pas du tout fort. Et malheureusement, quand tu boxes en poids lourd, si tu veux passer en pro, pour moi, c'est rédhibitoire. Ah, je veux juste sortir du sportif un instant et aussi donner la parole à NS.
Est-ce que ce qui joue pas aussi en défaveur de Yoka, c'est ses prises de parole, dans le sens où, justement, où il a eu un petit peu ce côté provocant sur de lui, il annonçait des grandes choses quand même. C'est là où j'allais en venir, et justement ça ajoute un petit peu, je suis d'accord avec les propos de John, et je viens rajouter mon petit grain de sel, je suis d'accord avec lui. En fait, moi je pense, et ça répond aussi à la question de John, la deuxième question sur Canal+, je pense que ce contrat-là, ça l'a un petit peu mis en porte-à-faux, dans le sens où dès son premier combat, il est main event, et tous les combats qui suivent, il est main event, il remplit la salle, et tout le monde le regarde dès les premiers combats. Fury, ses 10 premiers combats, personne ne le connaît. Devin Haney. Anthony Joshua, c'est à peu près pareil, sauf que lui, il est rapidement passé dans le mode mais star. Mais il boxe en undercard. Hein. Wilder, c'est pareil. Ils se sont tous construits petit à petit, sans pression. Combien il a fait de combats au Mexique en undercard? C'est ça. Ils se sont tous construits sans pression sur leurs épaules. Et je pense que ce contrat-là de Canal+, ça lui a porté défaut à Tony, parce qu'il s'est retrouvé dès son premier combat, main event, la pression, toute la France autour de lui, surtout que, comme avait dit Julien tout à l'heure, il est champion olympique. Donc, dès ce moment-là, dès la médaille qu'il a autour du cou, tout le monde a les yeux rivés sur lui et tout le monde s'attend à ce qu'il brille. Mais tu ajoutes aussi un bon point, Sacha, c'est ses déclarations. Parce que je crois qu'au bout du troisième ou quatrième combat, Tony, il parle déjà de Fury, Wilder, je les prends. Il dit Joshua et Wilder, je les prends. Fury, il dit Joshua, Wilder, je les prends. Fury, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, c'est ce au bout de quatre, dans la voiture, là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Au bout de quatre combats. Il y a deux mois, il a dit Ganou aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Au bout de quatre combats, tu dis ça. Pour moi, bon, après, c'est la confiance, c'est l'ego. C'est normal qu'un combattant se sente parmi les meilleurs du monde dès le début. Mais pour moi, cet excès de confiance-là, ça lui a porté préjudice. Et ça, c'est aussi dû justement à ce contrat-là avec Canal+, qu'il a envoyé dans les étoiles dès le début. T'as entièrement raison. Regarde le début de carrière d'Anthony Joshua, donc, qui était le précédent champion du monde olympique. Il fait une quinzaine de combats en undercard, tranquille. Eddie Hearn ne cesse de dire « Attends », parce que tout le monde demande à Eddie Hearn pourquoi Anthony Joshua n'est pas en main card, pourquoi il n'a pas un main event. Il dit « Doucement, c'est ça. On va le faire monter une douzaine de combats. » Et ce n'est pas forcément parce qu'on faut voir les choses en face. Tony, l'opposition qu'il a eue sur ses premiers combats, c'est digne de combats d'undercard. Mais toute la pression médiatique et toute la pression psychologique qui s'est prise sur la tête, je pense que ça a empêché son développement technique. Je pense que ça l'a peut-être un petit peu moins rendu réceptif et poreux au conseil de Virgil Hunter, qui a essayé, je le sais de source sûre, il a essayé de corriger des lacunes de Tony pour la boxe pro, notamment au clinch, sa gestion, ses placements de tête, etc. Mais il y a eu tout le bruit autour qui fait que forcément, il n'était pas tout à fait concentré entièrement là-dessus comme il aurait dû l'être. Tony lui-même le disait, hein, à la fin de son dernier combat, il l'a dit, il y avait une pression supplémentaire sur ce combat-là. C'est pas normal que tu aies une pression supplémentaire sur ce combat-là, justement. Pour moi, ce combat-là, il le fait à son deuxième ou troisième combat, il y a de grandes chances qu'il le gagne contre son dernier adversaire. Oui. En tout cas, avec moins de, justement, d'engouement autour, moins de blablatage autour, pour moi, c'est largement à la portée de Tony Yoka. Techniquement, toi, vous en pensez quoi? Le combat en soi ? Non, sur le fait que, ce que je vous dis, c'est que mon ressenti, c'est qu'il n'a pas de mâchoire, il ne tape pas assez fort, il est nul au clinch, non, moi, et que pour la boxe pro, c'est compliqué. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que pour la KT des lourds, il ne tape pas assez fort. En fait, il y a deux choses. Soit tu es Tyson Fury et tu as une super défense et tu es capable d'esquiver les coups et d'en encaisser certains, et c'est pas grave si t'es pas un gros puncher. Soit t'es un gros puncher et tu peux terminer les combats avant qu'on te termine. Le problème, c'est que c'était pas un gros puncher. Il comptait beaucoup trop sur son jab et en lourd, ça suffisait pas. Et il esquivait pas assez les coups. Et le problème, c'est que dès qu'il était touché, ça se voyait visuellement, il perdait confiance. On l'a vu face à Bacolé, on l'a vu face à Takam. Dès qu'il était touché, son visage n'était plus le même. J'écoutais Soulé Sissoko qui disait qu'en fait, la boxe, notamment chez les poids lourds, c'est une catégorie à maturité tardive. Il a 31 ans. 31 ans, c'est pas fini. Après, je suis entièrement d'accord. Moi, je suis pas un grand spécialiste de boxe anglaise, mais pour le coup, il est trop léger pour frapper et trop lourd pour se déplacer en ce moment. Il est dans un espèce de shape in between. On l'a bien senti. Il est pas à l'aise en fait avec son corps. Il a pris de la masse musculaire, mais pas assez pour cogner. Et en même temps, il se déplace plus comme quand il était amateur. Il a surtout dit qu'il, justement, après son combat contre Bacolé, sa défaite contre Bacolé, il était parti en grosse dépression. Il avait pris énormément de poids, ça, etc. Pour ça que je suis plutôt positif sur un point, c'est que je pense que le changement avec Don Charles, c'est positif. Parce que moi, j'ai aimé Don Charles à la fin qui prend sa défense. Où lui, on le voit, de toute façon, il est à la fin, j'ai regardé le combat trois fois. La première fois, je suis resté interloqué par sa réaction. Il était scotché à la fin du combat. Mais le fait que Don Charles arrive au micro, souhaite parler, prenne sa défense, c'est-à-dire qu'il y croit. Il a envie de le faire. Ouais. Je pense que derrière, il a un environnement qui lui dit, on va y aller. Il faut qu'il fasse des changements. Donc moi, pour répondre à la question, est-ce qu'il doit continuer? Oui. Oui, mais est-ce qu'il doit continuer comme il le fait maintenant aujourd'hui? Romps-moi ce foutu contrat, il lui reste un combat, je crois. Un combat. Romps-le.
Non, et va faire de l'undercard à l'étranger, en Angleterre. Il va être obligé de le faire, Jules. Après, Don Charles, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a commencé à travailler avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a quand même une vraie marge de progrès là-dessus, hein, je pense. Et par rapport au fait qu'ils ne savent pas frapper fort, ça peut s'apprendre. Regarde, ça s'apprend. Tyson Fury, pour la revanche contre Deontay Wilder, il arrive, il dit « Moi, j'ai changé d'entraîneur, je suis retourné au Kronk Gym. Wilder, je vais le mettre KO, personne ne le croit. » Et il arrive, il lui met des patates de forain, il le tue, quoi. Après, vous êtes dur avec Tony, quand même, hein, sur la puissance. Enfin, il a quand même plus de TKO que de décision dans ses victoires. Il a sonné plusieurs combattants. Ouais, mais il faut voir face à qui. C'est ça. Et en fait, si tu regardes l'ensemble de ses combats, il a souvent été mis en difficulté, ce qui déjà n'était pas un très bon signe annonciateur. Mmh. Après, moi, je pense aussi qu'il a été... Déjà, il faut remettre les choses aussi dans le contexte, c'est qu'il n'a quand même pas eu un entourage et une vie hyper facile à vivre. Bien sûr. Il y a eu son divorce, il y a eu quand même les critiques sur les réseaux sociaux qui ont eu lieu depuis son premier combat. Il faut savoir, honnêtement, c'est un peu le Cyril Gane de la boxe. C'est-à-dire qu'il se fait... La dureté est la même, oui. Quoi qu'il se fasse, il s'est fait allumer à chacun de ses combats. Gagner ou défaite. Quand il gagnait, ah mais il a battu un boulanger, ah, il a battu un boucher. Et quand il perdait, ah c'était mérité, bah ouais c'était normal. À un moment donné, il faut arrêter de croire que parce que t'as des athlètes de très très haut niveau, les mecs sont intouchables psychologiquement. Les mecs lisent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils ont en plus leurs entourages qui vont leur parler de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, leurs familles sont touchées par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et à un moment donné, bah, ça gangrène et ça peut faire très mal. Tony c'est trop. Tony, c'est trop. Il est trop sur les réseaux, il est trop sur Twitter. Mais moi, je crois que je suis bloqué par Tony pour une remarque qui était même pas méchante au final. Quelqu'un t'aurait bloqué sur Twitter. Bizarre, hein. Non, mais tu vois que en fait, Tony Yoka, c'est le serial bloqueur. Ça veut dire qu'il lit. Et je pense que c'est pas bon pour lui. Et par exemple, tu vois, si regardez ce qu'on a dit jusque-là, il va croire qu'on attaque, alors que pas du tout. Et je t'interromps deux secondes, c'est là que je disais, l'entourage doit être hyper important. Et je pense que son entourage, il y a trop de gens qui lui ont dit oui, oui à tout, et qui n'ont pas essayé de le remettre un petit peu dans le droit chemin. Et justement, pour pas l'accabler, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a pas été utilisé aussi d'une manière... Bien sûr. Pour sauver une cause, mais qui était trop grande pour lui, à savoir relancer tout un sport qui était en train de mourir dans notre pays. Bien sûr. Et dans la catégorie reine, etc., tu sais, il y avait plein d'ingrédients et c'est juste qu'on lui a donné une cape d'un super-héros qu'il n'est pas. Ça rejoint ce que je disais sur l'histoire du contrat. Et c'est vraiment pas. Pour moi, c'est à 90% pas de la faute de Tony, tout ça. Pour moi, c'est vraiment. Et je suis désolé, mais c'est son contrat et ceux qui gèrent, ses promoteurs, tout simplement, c'est Canal+. Ils l'ont trop mis trop haut, trop vite. Son manager qui a choisi. Son manager aussi, mais ils l'ont mis trop haut, trop vite. Et pour moi, c'est ce qui lui a été fatal. Ce qui m'embête, c'est que dès qu'il a signé avec Canal+, le premier sujet de discussion n'ont pas été des discussions sportives. On a parlé d'une émission télé-réalité produite par Cyril Hanouna pour aller chercher le nouveau Tony Yoka. On a parlé du Star System, de ce genre de choses. Alors que là où les discussions auraient dû être, c'était sur comment on fait pour que Tony Yoka devienne un boxeur professionnel. Qui passe de la boxe olympique à la boxe professionnelle. Et ce travail qui a été fait, notamment, on en parlait, par Souley Sissoko, par Christian Mbili, etc., il n'a pas été fait par Tony Yoka. Il y a plein de boxeurs, j'en ai plein en tête, qui ont été en équipe de France, qui ont enchaîné les Olympiades et qui n'ont jamais voulu passer pro, parce que c'est un sport qui est totalement différent. Et je pense qu'il aurait peut-être aussi fallu se poser ce genre de questions, parce que par rapport à ce que tu disais, John, Tony, moi j'ajoute une chose, c'est que depuis qu'il est jeune, il était tellement classe en amateur, qu'il n'a jamais été mis en difficulté, qu'il a été que très rarement touché. Et que du coup, je pense que le fait qu'il soit un peu surpris quand il est touché depuis son arrivée en pro, c'est qu'il n'a simplement pas eu l'habitude. Il n'a pas eu l'habitude, alors que des mecs qui, comme Christian ou quoi, qui avaient peut-être un style un petit peu plus ouvert et qui n'étaient peut-être pas techniquement autant au-dessus que Tony l'était en amateur, eux, ils savent ce que c'est que de se prendre des coups et que d'être dans le dur. Un truc, parce que tu prends les exemples de Souley Sissoko, Christian Mbili, qui sont des boxeurs français, qui sont invaincus, qui sont dans le monde professionnel, mais aujourd'hui, entre guillemets, le grand public ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on a deux situations qui sont les extrêmes opposés. C'est pour ça. Le Tony Yoka, qui est ultra connu, que tout le monde connaît, que même la plupart des gens veulent voir perdre parce qu'ils le trouvent arrogant, etc. Et ceux qui performent dans l'ombre, mais qui n'ont pas du tout le côté lumière, qui font vivre le sport, mais... Bien sûr. Complètement dans l'ombre. Mais c'est pour ça que moi, je rejoins à 10 000%. Hein. Pour moi, le contrat de Canal+, c'était une pilule empoisonnée. Mais après, si je me mets à la place de Tony,
Ah, peut-être que je fais le même choix que lui. On l'aurait pris. Parce que la carrière, elle est courte, c'est 8 millions. Bah oui. On l'aurait pris. C'est sûr, mais dans Soulet ce cas-là... et Christian, ils prennent la même chose si on leur propose. Ah, Soulet, il a eu des grosses offres et il a fait des choix. Attends, ça, sur ça, tu ne peux pas critiquer le choix. Il faut, c'est quand sûr. Même, il faut quand même revenir chronologiquement sur l'histoire de la boxe. L'histoire de la boxe, c'est des Benichou ruinés. C'est des. À part Khalid Raïlou, en fait, c'est le seul, je crois, qui a vraiment un peu gardé ses sous. C'est des Mamadou Thiam. C'est, bon, je l'ai dit, Fabrice Benichou. Les Tiozo sont pas non plus blindés. Benichou, il était ruiné, mais la face. C'est des Anaclet Wamba. C'est les frères Mendy, c'est des mecs qui ont été champions et qui au final n'ont quasiment plus rien aujourd'hui. Donc l'argent, c'est un facteur important. Okay, tu pouvais pas non plus te permettre de refuser un aussi gros contrat. Je veux pas non plus taper dessus outre mesure parce que encore une fois, j'ai écouté Soulé Sissoko, il a fait une longue interview dimanche matin et moi qui était très bien en termes de planning pour moi, où il explique que Tony c'est quelqu'un de résilient aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à l'époque de sa situation amateur, quand il était en équipe de France, il s'est déjà pris un coup de pied au cul. Il en est revenu. Il a réussi à repartir d'en bas, reconstruire sa carrière et repartir de l'avant. Moi, je pense juste aujourd'hui qu'il faut qu'il reconstruise, en fait. Exactement. C'est pour ça qu'après, peut-être que je suis un peu ambitieux quand je parle de rompre le contrat et dès qu'il y a des histoires financières derrière qui est impossible de le faire. Mais derrière, ça vaudrait le coup, sorti de ça, de se reconstruire avec Dan Charles, de partir. C'est marrant parce que ça me rappelle une discussion qu'on a eue il y a quelques mois sur est-ce que Cyril doit rester en France ou pas. On était là, tu te souviens, c'était ça. Bah là, c'est un peu la même chose. Est-ce que Tony doit rester là avec le même environnement? Et comment faire pour performer? Et en plus de ça, si tu regardes les grands champions des lourds, ils ont beaucoup combattu en début de carrière. Tyson combattait des fois, une fois tous les mois, voire plus. Ouais. Yoka, finalement, c'est quoi? C'est 13 combats en 7 ans de carrière professionnelle. Ça veut dire un combat et demi par an. Il y a sa suspension aussi. Il y a, il y a eu quoi? Un an de suspension? Il aurait dû combattre à l'étranger. Donc, en vrai, il ne combattait pas assez. Il vaut mieux avoir des combats un petit peu moins bons au début, mais avoir beaucoup plus de répétitions parce que l'expérience, tu l'acquiers sur le ring. Et surtout, quand tu passes d'une phase où tu ne prends pas de coups, enfin, tu prends des coups avec protection et tu passes sans protection, il faut, pour gagner cette maturité, faire des efforts répétés comme ça. Et pour moi, c'est ce qu'il doit faire maintenant. Moi, juste pour conclure mon propos et répondre à la question, Tony Yoka doit-il continuer? Mais la réponse, ça ne devrait même pas être 52% oui, ça devrait être 100% oui. Bah oui. Pour moi, il doit totalement continuer sa carrière, mais il doit juste revoir sa manière sa gestion de carrière. Pour moi, Tony, c'est simple. Le prochain combat, il lui reste un combat avec Canal, il doit prendre une brêle. Je suis désolé, pour moi, il doit prendre quelqu'un largement à sa portée pour se remettre en confiance. Rematch, une revanche. Ou carrément une peut-être revanche. Un rematch. Pour moi, c'est largement à sa portée. C'est peut-être le meilleur truc en termes de... Pourquoi pas une revanche? Pour moi, c'est largement à sa portée. Il doit prendre quelqu'un qui doit battre à 100%, même s'il se fait critiquer sur l'adversaire. Meryl a dit, derrière, il est OK. Hein. Derrière, pour moi, il n'y a plus de prolongation, et je l'espère, avec ni Canal ni personne. C'est fini les main events, c'est fini les pressions à 20 000 personnes qui le regardent et toute la France qui cherche à le voir perdre. Se construire une carrière, enchaîner les combats plus souvent, justement, plutôt que faire un combat par an ou deux combats par an. Et derrière, il y a quelque chose à faire. Pour moi, et ça répond aussi à ta première question, John, qui disait est-ce que finalement le passage en professionnel, c'était pas peut-être une erreur en gros, quelque chose comme ça. Pour moi, non, pas du tout. Pour moi, Tony Yoka, quand on le voyait combattre au JO, on pensait tous à sa carrière professionnelle et on le voyait tous aller très très loin. Ouais, et je vais peut-être me mouiller, et je pense qu'il a le potentiel, peut-être pas pour être champion, mais qu'il a le potentiel pour aller beaucoup plus loin que ce qu'il nous propose. On va en revenir à l'analyse sur le contrat avec Canal+, c'est que le contrat, il est appelé la conquête. Et la conquête de quoi? C'est Canal. Alors, deux éléments. Premier, c'est que vous avez entièrement raison, et on va juste noter que Anthony Joshua, donc je prends le parallèle avec Joshua parce que c'était la comparaison qui était faite, hein, quand il passe pro. Il combat 10 fois en 12 mois, clairement, quand il commence sa carrière en pro. 10 fois, sur des petites cartes à la noix. Il enchaîne, il prend l'expérience. Et malheureusement, Tony, lui, on ne lui a pas laissé cette chance-là. Maintenant, je pense qu'il y a une chose à faire, Julien a raison, il reste un combat, il prend la revanche. C'est un combat qu'il doit gagner. Et après, va avec Bob Arum, tu vas sur toutes les undercards de Top Rank pendant un an ou deux. Hein, un an ou deux, tu fais une dizaine de combats, tu vas chercher une ceinture continentale, et après, on refait le point. Mais après, avant tout ça, lui-même doit se poser et se demander qu'est-ce qu'il veut pour le reste de sa carrière. Parce que c'est pas si simple que ça. Nous, c'est idéalement ce qu'on voudrait parce qu'on a envie de voir un athlète aller le plus loin possible. Mais lui doit se regarder dans une glace et voir quelles sont ses priorités. Mais si ce qu'il veut, c'est toujours devenir le meilleur boxeur possible et être peut-être champion du monde, ouais, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, ça fait partie des clés. On va s'arrêter au début de la phrase, le meilleur boxeur possible. Je pense que champion du monde, à l'heure actuelle, c'est même pas la peine d'y penser. Non. Alors, même si je ne l'envisage pas, je pense que Joe l'a dit tout à l'heure, les lourds,
C'est une maturité. C'est toi qui l'as dit. Maturité les lourds, ça peut être une maturité tardive. Ça dépend dans quel. On dans a déjà vu des mecs devenir champion du monde à 37, mais 38 ans. Attends, ça veut dire quoi, champion du monde aussi? On est en boxe. Champion du monde WBO, ça me va. Champion du monde WBO, ça m'irait. Et puis on verra ce qui va se passer. Il y a un moment, les ceintures vont exploser. On sait très bien comment ça se passe. Après. Moi, je ne veux pas insister là-dessus, mais quand je les ai vus, ils étaient ensemble à Paris United, la World Series of Boxing. Mm. Philippe Ergovitch et Tony Yoker. Les deux se sont affrontés aux Jeux Olympiques. Pour moi, il y a un vainqueur qui est clair, c'est Philippe Ergovitch. Et quand on parle de qualité pour passer en pro, Ergovitch, il était moins talentueux en amateur que Tony Yoker. Mais tu sentais que sa boxe, elle était beaucoup plus adaptée au monde pro. Parce que techniquement, il y avait cette capacité à prendre les coups. Et pourquoi il prenait des coups? Parce que techniquement, il était moins brillant que Tony, mais il était déjà peut-être un petit peu plus habitué. Parce que tu sentais qu'il tapait plus fort, parce que tu sentais qu'il allait chercher, lui, le corps à corps plutôt que de le fuir. Et ces petits indicateurs, pour moi, ça veut dire qu'il y a un travail qui est énorme, parce que malheureusement, ce travail qui aurait dû être fait dès le début, quand il passe pro avec Virgil Hunter, le travail n'a pas été fait. Moi, je ne pense pas que c'est une question de potentiel, je pense vraiment que c'est une question de gestion de carrière. Je pense simplement. Pas que c'est qualité technique. Je pense pas que c'est une question d'aspect technique, de potentiel. Je pense que c'est vraiment surtout une question de gestion de carrière. Et on n'aurait pas eu la même carrière pour Tony Yoka avec un début de carrière différent. Par contre, on a des criminels dans le chat. Hein. Non, mais en fait, le chat, il n'a jamais été aussi animé. Non, mais c'est ça que je voulais interpeller. Et c'était pour rebondir sur ce que disait Hannes tout à l'heure quand il disait on devrait tous mettre à 100%. Oui, Tony Yoka doit continuer. Parce qu'aujourd'hui, il a très peu de soutien. Enfin. Là, visuellement, on regarde le chat, là, tout le monde est en train de le vanner, hein, très clairement. Pour tous les assassins du chat, je veux bien que ce soit difficile à imaginer qu'ils deviennent champions, mais je pense que tu ne deviens pas champion olympique par hasard. Donc, complètement. Il n'est pas nul à chier, c'est juste que psychologiquement, il y a eu des tas d'événements top qui ont place, fait. Top qu'il a, place en amateur. Qu'il a non, pas, mais qu'il c'est a surtout, on ne pourra jamais dire qu'on est un grand pays de sport si on ne soutient pas le seul athlète. En après, fait, la France, quelque chose, hein. La France, on a un pays de critiqueurs. Ça critique à toute patate. C'est vrai qu'en France, on tombe sur tout le monde. Ça critique à toute patate. La bienveillance extrême non plus, je ne veux pas ça non plus, mais dans le sens où. C'est peut-être plus facile ou mec, aujourd'hui de se dire c'est peut-être le moment d'aller l'encourager le mec. Ah oui, justement. L'encourage qui sinon justement, entre guillemets, c'est ça, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, quand ça me fait repenser à un truc là, de reparler de Paris United, donc c'était la bonne époque, on s'était diffusé à 21h sur l'équipe TV. Il y avait un mec dans cette équipe, il avait une classe de malade, il s'appelait Abdelkader Bouhenia, bossait en moyen, lourd léger. Le mec, il n'est jamais passé pro, mais alors en amateur, fallait voir. C'était un festival. Il a eu beaucoup de blessures. Après, il a fait son service militaire. Il a fait d'autres choix de carrière. Et maintenant, je crois qu'il est même rentré à la DTN. Mais techniquement, quand vous regardez les vidéos de cette époque-là, donc vous pouvez voir le jeune Tony Yoka boxer. Alors, c'était soit Tony, soit Ergovitch en fonction. Mais Bouhenia, regardez, si vous ne le connaissez pas, c'était fabuleux. Eh mais non, il y a des punchlines quand même. Bon, en tout cas, la boxe poids lourd n'est pas complètement morte. On a encore Mourad Aliyev aussi qui est là et qui est toujours invaincu. Ah, très fort. Et qui est très très bon techniquement. Donc il faut continuer à soutenir la boxe parce que malheureusement, ça financièrement, ça ne va pas aider les boxeurs dans le futur. Il est dur en plus, Mourad Aliyev. Ah, Mourad Aliyev, il est dur. Mais déjà, son visage, il ne t'inspire pas confiance. Son visage, déjà, il fait rup. Mais tu dis ça, il ne faut pas enterrer Tony. Hein. Non, mais on a quand même un poids lourd à vaincu, il faut le souligner. C'est ce qu'on retiendra de cette émission aujourd'hui. De toute façon, c'est que nous, on l'a tous soutenu, sauf Big John. Cherche pas. Hey, Tony, regarde toute l'émission. Ensemble. Bon, allez, venez, on referme la page sur la boxe. On a un très, très gros week-end de MMA qui arrive. Le dernier numéroté de l'UFC de l'année. Donc, passons tout de suite au takedown et l'UFC 296. La dernière carte numérotée de l'année est le retour du champion des moins de 77 kilos, Leon Edwards, qui va affronter l'homme qu'on adore détester à l'UFC, Colby Covington. Déjà, je peux vous afficher les codes de ce main event parce qu'elles sont intéressantes. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui est le combat star de cet événement. Leon Edwards qui est actuellement coté à 1,60 face à Colby Covington. Mm-hmm. Comment est-ce que vous voyez ce combat-là? Parce qu'on va redescendre un petit peu dans la carte juste après avoir parlé de ça. On va faire le point sur toute la caté des moins de 77. Alors, faut pas que je lise le chat parce que c'est trop là depuis tout à l'heure. Moi, je croyais qu'on allait parler de Pimblett Ferguson, le combat de l'année, le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis. Bon, d'accord. Comment je vois le combat Stop. Le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis. T'as vraiment envie de mettre Paddy Pimblett face à Benoît? J'espère vraiment pas pour lui. C'est pour la blague, les gars. C'est plus un rétroviseur Arrêtez. C'est pour la blague. On ne sait pas. Un miracle, c'est Noël. Imagine, Pimblett gagne en
30, imagine Pimblett gagnant 30 secondes. Non. Dana White le classe top 8. John, l'esprit de Noël, on va tous espérer que Tony parte sur une victoire. Ouais, c'est clair. Avec son nouveau préparateur mental, le mec d'Internet. David Coggins, là. Ah, le vétéran, là. Le mec qui apparemment court 40 kilomètres. Le gars qui le fait vomir 8 fois par jour. Non, mais c'est génial. Alors, le main event. Oui. Le main event. Donc, le retour de Leon Edwards qui, bon, n'est pas le champion le plus populaire. Non. Il est très discret. Il a mis du temps aussi à aller prendre le combat pour défendre sa ceinture parce qu'il a dit qu'il avait, il voulait pas combattre. Il est populaire maintenant, je trouve. Depuis son interview. On l'aime bien. Depuis son interview. Headshot dead, les larmes, maman regarde-moi. Je trouve qu'il a gagné en sympathie, chose qu'il n'était pas du tout auparavant. On était resté sur une image dégueulasse du mec qui enfonce ses deux doigts dans les yeux de Belal Mohamed. Maintenant, le combat, pour moi, il n'a pas grand sens parce que Covington ne mérite absolument pas de combattre pour une ceinture. Totalement. Il a déjà échoué deux fois. C'est pas parce que t'as gagné un George Masvidal en fin de carrière que ça te donne le droit à un autre title shot. Pour moi, vu les progrès, et ça, Julien, je pense que tu vas pouvoir nous en parler, les progrès que Leon Edwards a fait dans la défense de lutte, et on avait dans d'autres émissions interviewé les deux entraîneurs de grappling de Leon Edwards qui expliquaient tout le travail qui a été fait, notamment sur le contrôle des poignets contre la cage. Et vu ce qu'il a montré contre Kamaru Usman, j'ai du mal à voir Covington, qui est moins puissant et peut-être même un petit peu moins technique que Kamaru Usman, arriver à faire quoi que ce soit contre Leon Edwards. Donc pour moi, c'est une défense qui doit être une formalité. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Exactement. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Joe. Après, moi, pour l'histoire du title shot mérité ou pas, moi, je pense vraiment du fond de mon cœur que Colby Covington a une photo de Dana White tout nu dans son téléphone. Hein. C'est pas, je vois pas d'autres moyens. C'est inacceptable qu'il ait autant de title shots. Le moins mérité l'histoire de l'UFC. Mais 5 combats, déjà. En plus, petite précision, il n'a jamais battu quelqu'un classé top 5. C'est ce que j'allais dire. De sa vie. Ouais. Et même top 10, je crois que j'ai un doute. Attends, quand il bat Woodley, il est pas. Non, il a jamais battu quelqu'un qui était dans le top 5. Ah ouais, il est top 6. Voilà, il a jamais battu quelqu'un qui était dans le top 5. Il se permet le luxe de refuser des combats. Et 5 combats en 5 ans, dont 2 défaites contre Kamaru. Là, il a son title shot parce qu'il a battu Masvidal. Après, juste pour te répondre, moi, je me suis beaucoup posé cette question-là et j'ai fini par trouver pourquoi. Hein. Parce que regarde bien la catégorie, sinon c'est quoi? C'est Léon, derrière Belal, Kamaru, Ramzat est sorti. Mm-hmm. Donc derrière, t'as quoi? T'as Gilberts. Ensuite, Diaz est sorti. Tu vas te retrouver avec tout en bas un Yann Gary. Et ensuite encore en bas Belal un VDM. Shavkat. Belal Mohamed, largement, c'est le plus légitime. Mais pourquoi je te dis ça? C'est tous des super combattants. On peut en parler, on en parlera avec Sacha après. On peut descendre la catégorie. Mais combien d'entre eux vendent du pay-per-view? Non, mais dans ce cas-là, tu me fais pas Strickland du Plessis en janvier, en main event. Ça vend pas aussi. Ouais, là, en vrai, personne n'a jamais vendu dans cette KT durant l'ère Ousmane, après Ousmane. Je peux dire un truc un peu, mais je personne réagit et dire. Vas-y. Dans le contexte actuel, si ça avait été Leon Edwards, Belal Mohamed, je suis sûr qu'il y aurait eu un peu de bruit. Bah c'est sûr, en tout cas moi, je dis même pas pour rien. Moi au niveau du pronostic, je serais pas aussi tranché que celui-ci. Très honnêtement, moi je vais complètement je suis complètement d'accord avec Julien, c'était l'argument que j'avais mis en avant et il m'a coupé l'herbe sur le pied. Mais en vrai, quand tu regardes le classement, moi pour moi le meilleur c'est Shavkat Rakhmonov, mais on le sait, c'est pas un mec. Il mérite pas encore. On attend encore. Il mérite pas parce qu'on attend. Vous avez vu les démonstrations qu'il a fait? Il a battu Geoff Neal. Mais même avant, ce que je veux dire c'est que Belal Mohamed c'est pas toujours beau à regarder pour le grand public et c'est pas hyper vendeur. Tu vas par Kamaru, ça y est, redescendra plus. Gilbert Burns, c'est fini. Derrière, en fait, il n'y avait pas non plus 150 000 choix. Le choix le plus bankable, ça restait Colby Covington parce que c'est un Américain. Il a une grande gueule. Mine de rien, en conférence de presse et en avant-combat, il sait vendre ses combats. Il l'a fait face à Masvidal. Donc en vrai, il n'y avait pas 150 000 choix. Sinon, il fallait aller chercher du Yann Gary ou sportivement, c'était Belal Mohamed qui le méritait. Mais Belal Mohamed mérite depuis un moment. Il a tapé Gilbert Burns. Mais l'UFC n'a jamais été un truc où tu dois mériter sportivement, il faut que tu vendes des pay-per-views. Belal Mohamed, c'est simple, c'est le Darius de la catégorie. Il n'aura jamais son title shot. Ils lui donneront pas. Mais il est fini. Il est backup là. Il est backup du combat. Comme Gamrot, il est backup. Ah mais non, mais Gamrot. Il va se retrouver 10 tours plus loin. Non, mais il essaie. Mais Gamrot, il est moins légitime pour la ceinture que Belal Mohamed en welterweight. Ouais, mais Dana l'aime pas. Il l'aura pas. Il pourra grinder autant qu'il veut la catégorie. Ils lui donneront jamais son foutu title shot. Moi, j'aurais aimé voir Leon contre Gilbert, par exemple. Et pour avoir discuté avec lui il y a 2 jours, je peux dire que c'est terminé. Gilbert, ça sera juste un honnête doorkeeper. Il a signé un joli contrat. Il est refait. Il est tranquille, il attend que maintenant ça se termine, peinard. Donc déjà, tu ne l'auras pas. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas 36 choix et personne n'aime Colby, on ne l'aime pas.
ce qu'il propose, c'est pénible, ça va être un combat pénible, hein, du catch control, du grind, ouais, dans le dur pendant tout le combat. Il va se remettre KO. Et je pense qu'en fait, comme ils sont tous les deux gauchers, il va vouloir inverser la garde, il va en manger une assez rapidement aussi, ça pourrait être ça. Et moi, je pense que pour répondre à la question de Sacha sur les cotes, c'est juste que, en fait, Léon, il est juste sous-coté. Parce que les gens pensent encore dans leur tête que Léon, c'est un striker. Ouais. Léon, c'est pas un striker. C'est un vrai foutu combattant de MMA ultra complet, avec un striking de folie, une défense de lutte de dingue. Bradley Hill a fait un boulot fantastique sur... On en parlait tout à l'heure, justement, John abordait ce sujet-là parce qu'il a eu l'occasion de l'interviewer. Brad, en fait, qui est quelqu'un que moi, je connais depuis très longtemps, il a fait un énorme travail avec lui sur... Comment venir chercher les poignets, dégripper, regripper, travailler le catch control, travailler le body lock, sa sortie. On oublie quand même que derrière Léon, il a mis par terre Kamaru. Ouais. Soi-disant Kamaru, personne l'envoyait au sol, et Léon, il l'a envoyé au sol. Et je pense que les gens ont une impression faussée à cause du premier combat, enfin du deuxième combat contre Ousmane, où il gagne avec le coup de pied à la tête, et où il se fait certes dominer pendant les 4 rounds d'avant. Mais il a expliqué... C'était en altitude, il y a eu des problèmes, notamment dans le cutting, mais je vais juste rappeler une chose, c'est que Leon Edwards a dominé au sol Gunnar Nelson. Et si ça vous suffit pas... Et Rafael dos Anjos. Et pour rajouter à ce que tu disais, Julien, c'est le favori, le moins favori de toute la carte principale, Leon Edwards. Et qui est pourtant sur un straight de 12 combats. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire qu'il c'est la cote la plus élevée des favoris face à Pantoja a une cote plus basse, Rakhmonov a une cote plus basse, Pimblett a une cote plus basse et Gary a une cote plus basse. Ah, est-ce que je me mets dans la peau de l'avocat du diable? C'est ouf, hein. Je pense je vais essayer de trouver une raison. Est-ce qu'on se dit pas le premier round, Leon Edwards, Belal Mohamed, il est tellement à sens unique qu'on n'a pas envie de revoir ça Du côté de Leon? Jusqu'au high poke. Non, dans la tête de l'UFC. Jusqu'à ce qu'il y ait le hype, le premier round entre Leon et Belal, c'est quand même une boucherie. Ouais, oui, Leon lui fait un boulot monstrueux sur le premier round, oui. Mais déjà, moi, je pense que déjà, c'est plus le même Belal, même si c'est pas il y a si longtemps que ça. Et pour revenir à ce combat-là et les cotes, pour moi, les cotes, en réalité, elles sont plutôt correctes. Je pense que Edwards est favori, et favori clairement. Et je l'aurais pas donné beaucoup plus que ça parce qu'il faut quand même pas oublier qui est Colby Covington. Il peut faire du Colby Covington du cardio à Leon Edwards. Il peut clairement l'attraper et vas-y que je te contrôle contre la cage. Et vas-y que je t'emmène en takedown et Leon qui cravache à se relever. Mais moi je reste sur le fait que je pense qu'on va avoir une tête décrochée samedi soir et ce sera celle de Colby. Il a fait ça à qui de valeur Colby Covington? Ah mais il a jamais battu quelqu'un du top 5. Il a essayé face à Kamaru, ça s'est retrouvé en combat de striker. Sa valeur ajoutée à Colby, c'est qu'il a un cardio infini. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas de Léon. C'est ça. On a vu face à Nate Diaz. Parce qu'il a des sautes de concentration qui sont notoires pendant ses combats et ce qui peut être un point handicapant. Mais par contre, moi, qu'il le grind contre la cage, je pense absolument pas que ça gênera Léon. Léon, son grappling est dingue, son catch control est fantastique et sa lutte est top. Ouais, mais si ça va sur tous ces points-là, je suis d'accord avec toi, Julien, mais on peut clairement dire que Colby est meilleur que lui sur tous ces points-là. Bah en fait, là où non, il est plus pénible. En fait, il use. Il a plus de volume. Voilà, il met beaucoup de volume et il use. Ouais, mais on sous-estime aussi beaucoup le travail sur le dos de Leon Edwards, qui est un vrai bon jujitsu. Personne n'en parle parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir souvent. Il prend le dos de Kamaru. Mais c'est un vrai ceinture noire. Tu me rappelles des ceintures noires de quelle académie déjà? Je sais pas, vas-y, dis-moi. Il est GF Team Angleterre. C'est vrai qu'on sous-estime le sol de Leon. Je suis d'accord, on sous-estime le sol. Mais il faut pas sous-estimer celui de Colby aussi. Contre Gunnar Nelson, il lui fait une masterclass au sol. Et Gunnar Nelson, c'est un mec qui est probablement c'est un des plus beaux sols de l'UFC à un moment. Mm. Contre Kamaru Usman, il y a un renversement, une prise de dos. Il y a des choses qui montrent que si ça atterrit au sol et qu'il est dos sur le tapis, il va gérer. Pour moi, il va le renverser et il va le mettre KO. Il y a une autre chose. Comment Colby va gérer la taille de Leon Edwards? Parce qu'on oublie une chose, c'est que pour un welter, il est quand même sacrément grand. Et quand tu prends tous les welterweight dominants depuis des années, il n'y a aucun mec qui a été aussi grand que Leon Edwards. Colby n'a jamais affronté quelqu'un de la taille avec l'allonge de Leon Edwards. Et gaucher comme lui. Et gaucher en plus. Si, Robbie Lawler. Robbie Lawler était gaucher. Mais pas aussi grand. Pas aussi grand, Robbie Lawler a fait 1m80. Très grande allonge. En plus, on a eu l'occasion de le voir à Paris, c'était pendant le Bellator. Mm. Quand il est venu coacher son frère, il est vraiment long. Ouais. Mais athlétiquement parlant, dans les qualités vraiment physiques et athlétiques, Léon, je vois pas qui est plus, en tout cas physiquement, qui est plus athlétique que lui à l'UFC. Hein. Que ce soit du haut en bas, de droite à gauche, et on parle pas de stock, gars large. De corps pour le MMA. De corps pour le MMA, c'est vraiment l'athlète de MMA physiquement. Belal.
Non, je ne suis pas d'accord, tu vois. Pour moi, Belal, il a plus le physique d'un lutteur. Il a plus le physique d'un lutteur qui va venir te contrôler, etc. Non, Kamaru, c'est des muscles, c'est du large. Oui, mais parce qu'il n'est pas tracé comme. Il n'est pas longiligne, donc forcément, il va être plus compact. Moi, t'as vu les cuisses de Léon ? Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est que. C'est deux morphotypes différents. T'as un poster des cuisses de Léon dans ta chambre ? Ouais, j'en ai un, et tous les soirs, je me pose devant comme ça, et je te raconte pas la suite. Juste à côté de celui de la femme de Yann Garay. Non. La question, c'est est-ce qu'on a pas beaucoup d'ailleurs mis Covington pour, encore une fois, plus starifier aussi Leon Edwards, parce qu'on le sait que dans la conférence de presse, et c'est ce qui va lui permettre d'être peut-être le champion qui peut donner un peu de peps à une catégorie qu'on n'a aucun, parce qu'on va pas se mentir, Shafkat qui arrive, c'est le mec qui ne part jamais, on l'entendra jamais sans doute, et derrière on a Yann Gary qui est arrivé un peu en Conor McGregor, mais maintenant tout le monde se fout de sa gueule. Moi je pense que les Wilder... Yann Gary, il y a Stephen Thompson, il y a quand même une nouvelle génération. Stephen Thompson, c'est fini. Jacques Delamada. Il est encore bien classé, il me semble qu'il est... C'est surtout que Thompson, il affronte Rachmaninov, donc bon... Non mais Thompson, il est mort. Si vous voulez, on regarde les cotes, parce qu'on peut aller sur le combat, mais... Rachmaninov, moi j'adore, et j'en parle depuis le début, mais son dernier combat, il m'a qu'il encaissait beaucoup de coups. Ouais. Mais le mec était plus lourd. Geoff Neal, il a fait exprès de louper sa pesée de je sais plus combien pour frapper dur. Il est pas booké Jack de la Maddalena contre Gilbert Burns justement. Je sais pas si c'est encore officialisé, mais ça devrait se faire C'est pas encore officiel. Pour février ou mars, je crois que ça devrait se faire. C'est un bourbier pour Gilbert Burns, c'est pas gentil. C'est un bourbier, mais attention parce que le sol de Jack de la Maddalena, c'est pas celui de Gilbert Burns. Ah bah nous on a un mec qui nous a dit que était très très chaud, qui s'entraîne avec lui. C'est Dan. Ouais, un mec qui vous a dit, mais moi j'ai pas besoin de mecs qui me disent pour savoir le sol de Gilbert Burns. Un mec qui s'entraîne avec lui et qui même il est entraîné par lui. Parce qu'il est prof de sol, Jack de la Maddalena. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et que c'était très sous-coté et même quand j'avais parlé, Sacha va rire, mais quand j'avais parlé à Craig Jones, Jones m'avait dit que il avait un sol de malade pour le niveau MMA. Donc je sais pas, on va voir, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas juste un boxeur. Parce que quand on voit Jack de la Maddalena, c'est quoi ? C'est un boxeur. Moi, je le vois favori, Jack de la Maddalena. Mais je me dis, bon, déjà, Burns, hormis le sol, il a une puissance anormale dans ses poings. Je vais te dire, le truc avec Gilbert, c'est tout simple, hein, pour bien le connaître. C'est il faut qu'il arrête de vouloir cogner et de faire de la bagarre. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il aime ça. C'est ça. Foncièrement parlant, s'il arrêtait deux secondes et qu'il se mettait juste à faire ce qu'il sait très très bien faire, c'est-à-dire de la lutte et du grappling, il est monstrueux. Monstrueux. Ouais. C'est le meilleur grappling et jiu-jitsu de l'UFC. Dans la KT, pour moi, je l'ai toujours dit, pour moi, il prend Colby au sol, il le retourne dans tous les sens. Mais pourquoi Colby n'a jamais voulu l'affronter ? Bah, tu m'étonnes. C'est qu'il y a bien une raison. Hein. Bah, tu m'étonnes. Après... Revenez vite fait là sur ce combat, Steven Thompson, Shafkat Rachmaninov. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Shafkat, c'est peut-être le futur annoncé de la catégorie. C'est sale ce qu'ils font. C'est pas beau ce qu'ils font. Bah c'est pour le spectacle. Comment ça ? Non, c'est pas beau ce qu'ils font. Le travail qu'ils font à Thompson, là, c'est pas beau. Parce que franchement, Thompson, il est gentil. Pour moi, tout son palmarès, karatéka, machin et tout, c'est sur le circuit américain, donc ça veut rien dire. Hein, tous les titres qu'il a, ça a jamais été le prodige en karaté que tous les gens nous ont vendu, ni en kickboxing d'ailleurs. Parlons-en à notre ami Baba du podcast Au bord du ring, qui est spécialiste du pied-point, qui vous dira que sa carrière en kick, elle est ridicule. Et il est vieux, c'est tout. Voilà, il est âgé. Il a eu un moment, Thompson, où il était très très fort, c'était hyper bien. Il a eu son title shot. Son run jusqu'au title shot, il est top. Exceptionnel. Mais depuis, bah, on a vu les limites. L'âge, forcément, on le rattrape. Et en face, t'as un tueur à gage. Alors ouais, John a raison, le combat contre Geoff Neal, c'est marrant. Je l'ai re-regardé il y a 4 jours sur le Fight Pass. C'est vrai qu'il se fait beaucoup toucher, notamment au premier round, il en perd son protège-dents, mais il a un truc, il a le facteur X. Notamment, quand le premier round, il se fait toucher et que son protège-dents vole, il regarde Geoff Neal, qui tape très fort, hein. Le son de Geoff Neal, c'est les mains de fer, ouais, il rigole. Et puis il continue le combat sans dire mon protège-dents est par terre. C'est un psychopathe, il combat jusqu'à la fin du round. En fait, le truc, c'est qu'il n'esquive pas les coups. Tu peux essayer d'esquiver les coups, t'en prends, ça arrive. Une grosse tête. Lui, il a une grosse tête en plus. Il s'en prend les coups dans la tête. Mais tu sens qu'il s'en fout. Oui, mais ça, un jour, c'est Dodo. Fedor faisait la même chose. Et un jour, ça a été Dodo. Est-ce que Geoff Neal, c'est pas le mec qui tape le plus fort en welter ? C'est l'un des probablement des poids les plus lourds, je pense que. Avec moi, je suis avec Gilbert. Je pense qu'on est pas mal. Plus la plus grosse patate de forain, c'est ça se jante les deux. Hein. Et il les a pris en rigolant. Et après, c'est Sean Brady que j'ai oublié dans la caté qui était. Qui peut encore aussi Sean Brady qui était invaincu jusqu'à ce qu'il perde contre Belal et qui pour moi est toujours dans la catégorie. Mais il n'y a pas de honte à perdre contre Belal qui peut comme Belal l'a éteint, Belal il a fait et lui il est reparti. La manière dont il l'a battu, c'est très 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 violent. On a tous crié, je veux dire, par KO non jamais on voyait Belal faire ça.
Mais ouais, Brady, par contre, ça l'a vite enterré après cette défaite. Hein. Bah, ça l'a vite enterré. Et moi, là, par exemple, je le voyais vraiment faire ce qu'il a fait à Kelvin Gastelum. Je le voyais vraiment l'emmener au sol et lui faire un boulot au sol comme il l'a fait. Donc attention, faut pas dormir sur Sean Brady, mais je le vois pas top 3. Lui aussi, bonne black belt, non ? Qui est Brady ? Ouais. Très très bonne black belt, bien c'est sûr. C'est Daniel Gracie, c'est ça ? Ouais. Très très bonne si black belt. Si on se projette, Shafkat, c'est futur champion pour vous ? Ah, pour moi, oui, il n'y a pas de doute. Pour moi, ça allait se jouer. Ah, moi, ça fait trois ans que je le dis. Moi, j'avais dit, c'était lui ou. Ramzat ? Celui ou Ramzat, mais Ramzat, on le reverra plus en 77. Pour moi, Shafkat est plus fort que Ramzat. Parce qu'il a plus de cardio. Parce que son striking est plus sophistiqué. Même si, certes, il défend un petit peu avec. Il n'a jamais vu un juge. Aussi, et parce qu'il a le facteur X. Moi, j'attends de voir. Shafkat, je ne suis pas convaincu encore. J'attends de voir, et pas face à Stephen Thompson. Non. J'attends de voir face à un top 5. Ah bah oui. J'aimerais bien, par exemple, tu vois, j'aimerais bien le voir face à un Gilbert Burns. Mais okay. Bien sûr. Face à un Gilbert Burns, après ça, je te dirai. On va finir là-dessus. Mais c'est un boulot qu'ils font à Thompson parce que ce n'est pas gentil. Il se sert vraiment du fait que Thompson soit un ancien contender, qu'il soit populaire, etc. Doorkeeper. Pour faire monter Rakhmonov. Mais sauf que tu ne fais pas monter un mec qui va le battre et puis prendre une décision. C'est un tueur à gage, le mec. Hein. Oh, je pense qu'il est un ancien du KGB, c'est un truc de fou en fait. Hein. Il y a le plaisir des yeux aussi, on a deux combattants hyper spectaculaires qui debout peuvent envoyer. Non, mais on a une très belle carte. Hein. Ouais, clairement. Ça peut être un très très bel UFC. Le dernier combat des Welter sur la carte, c'est Vicente Luque contre Yan Machado. Ah, là, je suis pas du tout d'accord sur les littérature. Alors là, je suis pas du tout d'accord attends, sur les John, moment littérature. Allez, en rapide, juste parce qu'après, on doit finir pourquoi avec le Parnasse. Non, mais attends, on parle pas du show, il y a que le championnat du monde. Que penses-tu de ce magnifique livre de la femme de Yann Gary? Comment devenir une wag? Ah, c'est elle qui a sorti ça. Oh mince. Ouais. Déjà, je pense qu'il faut pas l'acheter parce qu'elle a pas choisi le bon alors, cheval pour devenir une vraie wag. Il est en vente nulle part. J'ai essayé, crois-moi, tu l'auras pas. Alors, moi j'ai une autre question. Alors, connaisseur Aranès, qu'est-ce que tu penses, toi, parce que je sais que tu as de l'expérience là-dedans, du fait que Yann Gary habite avec l'ex de sa femme. Ah mais moi je pense que Yann Gary souffre du syndrome du gars qui tombe amoureux de sa maîtresse en quelque sorte, même si c'était pas sa maîtresse. Mais pour moi en fait il est juste eu un petit bonbon qui est venu lui parler. Il a eu un petit bonbon qui est venu lui parler, qui lui a touché l'épaule et ça y est il était déjà tombé amoureux. Il était déjà tombé amoureux. Tombé amoureux de sa maîtresse, c'est un terrain glissant, t'as capté. Ah ouais. Ça peut vite dévier sur d'autres. Ça peut aller en politique. Sur d'autres sujets. De façon sérieuse, moi je croyais beaucoup à Yann Gary jusqu'à il y a encore 3-4 mois et là. Neil Magny qui t'a fait changer d'avis, ce combat-là, un peu ridicule. Il y a son attitude sur son dernier combat, il y a sa façon de se préparer, il y a les histoires avec Léon aussi, où Léon reconnaît à demi-mot qu'il l'a quand même chaoté méchamment au gym. Il y a toutes les histoires avec sa femme, ça fait beaucoup trop d'éléments extérieurs qui polluent sa carrière. Ouais. Pour moi, c'est ça. En fait, dans la cage, je ne vois pas grand-chose à lui reprocher, Yann Gary, purement dans la cage, mais tout ce qui se passe autour, à l'extérieur, et comment il parle, et comment il se prend pour Connor, Connor, ça a été un peu un cadeau empoisonné pour toute l'Irlande, c'est que maintenant, ils veulent tous lui ressembler, donc ils veulent tous faire du Connor. Fin 2024, Kevin Jousset va l'éteindre, et puis on sera débarrassé. Moi, je vais peut-être avoir un avis un peu dissonant. Il est dans la panade médiatiquement. Il y a la conférence de presse qui va être sauvage. Je pense que Colby Covington, lui, il va le trouver, le bouquin, et qu'il ne va pas s'arrêter de le traiter de cocu pendant toute la conf. Il y a la moitié du roster, enfin du moins la moitié de la division qui est sur ses côtes. Son comportement à la salle d'entraînement, tu as raison, il se fait virer du gym de Leon Edwards parce que son attitude n'est pas nickel. Il se fait virer de la TT aussi. Très classe, Léon, d'ailleurs, sur son état. Il n'a pas voulu dire. Mais malgré, si avec tout ça, face à un mec qui est très fort, parce que pour moi, Vicente Luque, à un moment, il était potentiellement contender. C'est un mec qui est fort. C'est vraiment le haut niveau. Mm-hmm. Si malgré tout ça, il arrive le soir du combat, il sort une super presta et qu'il éteint Luque, alors là, respect. Hein. Vraiment respect. Et là, ça veut dire qu'on a vraiment un mec qui est spécial. Parce que vous avez raison, hein, pour l'instant, dans la cage, il nous a donné aucune raison de douter de lui. Mm-hmm. Bah moi, franchement, je vais un peu pinailler sur le combat contre Magny parce que je pense que c'est un combat raté. Enfin, il le bat, non mais il le dégomme. 34. Non mais combien de fois il peut le finir? Combien de fois il peut mettre un finish? Qui termine Magny? Ouais mais tu vas me dire qu'il peut pas le terminer sur ce combat-là? Qui termine Magny, Sacha? Magny potentiellement peut combattre 2 KT au-dessus. Oui mais c'est pas ça la question. C'est qu'il a eu plus à cœur de faire un buzz sur ce combat en faisant genre ouais je te tabasse et je te ridiculise plutôt que s'assurer vraiment une montée. Il a down plein de fois. Quand je dis il l'a éteint, il a pas mis KO, mais il a humilié la jambe. C'était ce qu'on appelle une masterclass. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, c'est ça. Moi je trouve pas, moi perso, je coach Gary, je lui dis qu'il a fait de la merde. Regarde ça, tu coaches pas. Alors bah non, je t'assure, tant mieux. Bah non, bah moi je suis désolé, un mec qui veut régler ses comptes dans la cage.
Non, mais regarde, si Yann Gary, ça avait été le gentil monsieur, en toute humilité, tout mignon, tout gentil, t'aurais dit, il a fait une masterclass, c'est incroyable son combat. C'est juste parce que il t'exaspère un petit peu hors de la cage. Non, parce que moi, je pense que quand tu déjà, il snipe Magni, toute la conf de fraise, c'est limite gênant. En mais disant, non, il est horrible. Hors de la cage, il est horrible. Truc, regarde, mais comment il le snipe? Il dit, je vais te faire souffrir pendant 3 rounds. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ouais. Donc, mais final, il est gênant, il est trop gênant. Oui, en dehors de la cage, il est gênant. Il est gênant. Même, on dit que c'est une masterclass. Bon, viens, moi, je parle là, tu nous restes que 5 minutes quand même. Non, non, ok. Non, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On a le droit de déborder. Alors, par contre, juste pour conclure sur les cotes, là pour moi, on respecte beaucoup moins Vicente Luque que Stephen Thompson tout à l'heure. Parce que Vicente Luque, 3,55, attention. Attention, ok, Yann Gary en striking, etc. Il est chiant, Luque. Mais il a un gros sol, et je pense que les gars de la Gracie vont me le confirmer. Il a un gros JJB, Vicente Luque. Ah bah oui. Et il a fait un boulot à sens unique à Rafael Dos Anjos à son dernier combat. Et c'est pas n'importe quoi. Oui. Et moi, je dis 3,55 pour les parieurs, je ne suis pas un parieur, mais 3,55. Moi, je dis, il y a peut-être un petit truc à attendre. Si vous voulez jouer la cote, on va revenir sur le débat précédent avec ça. C'est que Luque, en fait, jusqu'à ce qu'il perde contre Belal Mohamed, on dit que s'il gagne contre Belal Mohamed, c'est le prochain contender. Exactement. C'est le prochain adversaire de Kamaru Usman. Et tout le monde le prévoit. Alors qu'il y avait encore ces discussions de « Ouais, ils sont entraînés à Miami ensemble, machin, etc. etc. » Mais il avait atteint un niveau qui était très, très fort. Pas forcément valorisé parce qu'il parlait pas assez en dehors de la cage. Hein. C'est un peu… C'est quoi son son? C'est pas « Silent Assassin », un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Bon, l'assassin silencieux, il le porte très bien. Mais encore une fois, si malgré tout ce qu'on a dit, Gary, il arrive et qu'il est un Luque, faudra respecter. Ouais. Ok. Ouais. Après, je vois que Luque a perdu contre Stephen Thompson, donc finalement, je vais rester sur Yann Gary. Je voulais rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure, qui a évoqué Kevin Jousset, qui s'est imposé ce week-end par décision unanime. Il y en a certains sur les réseaux qui ont été un peu gênés sur le striking de Jousset. Jousset, vous le voyez faire quoi concrètement dans cette catégorie-là? Moi, je trouve que c'était un combat mené stratégiquement très très bien, où il n'y a eu pas trop de grosses prises de risques. Et on sait que c'est plutôt un spécialiste du judo. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Kevin Jousset? Est-ce que vous voyez faire des grandes choses justement dans cette catégorie? Parce que concrètement, s'il rentre dans le top 15, etc., tous ces noms-là, c'est des noms qui risquent de croiser. Moi, je vais faire très court. Il est dans la bonne salle, lui qui est judoka, pour apprendre à développer son striking. Il est aussi kickboxing avec Eugene Barman. C'est un travail. T'as trouvé ça mauvais, le striking, en vrai? Mauvais, je vais pas dire mauvais, mais moyen. Ça manquait de folie et de, voilà, plus de risque. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est ça. Alors, au niveau du jab, c'est un jab masterclass au niveau du jab. Il lui a rentré 1 million de jabs. Et de temps en temps. Du combat, la tête. Mais grave. Ouais. Mais d'ailleurs, on a vu une photo le lendemain de son adversaire. Comme ça, deux balles de tennis. Aussi, hein. Deux balles de tennis à la place des yeux. Par contre, je suis d'accord avec Joe. Je vais être peut-être un peu dur, mais le combat était chiant. On avait que des jabs. Stratégique. Et il n'y avait rien, pas de kick. Pas de sol, rien de... Pas d'accélération, pas de temps, pas de prise de risque. On avait deux mecs raides en mi-distance qui s'envoyaient. Il y a toujours un moment dans un combat où ça finit en striking et tu sens quelqu'un est touché et tu dis « Oh, ça peut peut-être s'accélérer, ça peut peut-être... » Il n'y a jamais eu d'accélération, rien de bien fou. Bah, en fait, pas l'enchaînement. Mais ça reste une victoire par décision unanime. Il y a aucune raison aussi pour Jousset d'accélérer. Il s'est rendu compte qu'il maîtrisait la distance déjà dès le premier round. Il le gérait avec les jabs. Deuxième round, il lui a sapé la jambe. Troisième round, il s'est rendu compte qu'il était large. Il a vaguement tenté de l'amener au sol pour voir. Ça passe pas, on le finit gentiment comme ça, on va pas plus loin. Puis le mec en face, mais il l'a pas fini justement. C'est ça que je trouve. Je pense qu'il y avait la place pour le finir, mais qu'il l'a pas. Il a pas cherché à accélérer. Après, à aucun moment. Pour... Là où c'est pas rédhibitoire, c'est que son premier combat contre le pote de McGregor, là, j'ai oublié le nom irlandais, il le termine, c'est net, sans bavure. Là, c'est peut-être bien qu'il ait aussi eu 3 rounds à l'UFC. Ouais, c'est son deuxième combat, on va attendre le troisième. Alors, il est français, etc. On va tous vouloir le monter. Je pense qu'il faut quand même calmer un petit doucement. Peu les choses. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas le boire, mais, trop beau, trop vite. Potentiellement, pour un mec qui a commencé le MMA il n'y a pas si longtemps que ça, qui était juste à la base un judoka, je trouve que c'est très intéressant et que potentiellement, il peut terminer l'année 2024 si tout se déroule comme prévu aux portes du top 10. Ouais. C'est pour ça que je parlais d'Yann Gary ou JDM. Ça serait pas déconnant de voir combattre JDM sur un UFC Sydney fin 2024. Je pense qu'il est trop en avance, Jack de la Madeleine. Ça dépend ce qu'il fera sur le prochain combat. S'il tape Gilbert, là... S'il avance sur Gilbert, c'est fini. Mais par contre, s'il se fait taper dans le sens par Gilbert... Ou si Jack prend quelques défaites, peut-être. Ouais. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je suis inquiet pour de la Madalena si son partenaire d'entraînement, c'est Dan, par contre. Hein, pour le seul. Hein. Mais le pauvre, tu parles de Dan, personne ne sait qui c'est. Dan, c'est le fondateur de StreetX. C'est le principal sponsor de... Craig Jones. Ok. Shafkat, vous étiez plutôt d'accord pour dire que ce serait potentiellement le prochain champion. C'est quoi les cotes? Je projette sur un 2.
Sharp 4. Tu veux que je le remette? Ça va être quoi, il était, non, il était, il a 1-15. Si, je l'avais mis avant. C'était à 1-15. Est-ce que vous le voyez comme un champion dominant par rapport au reste de la catégorie qui est en train de monter? Vous voyez quelqu'un qui pourrait le gêner? Pour moi, c'est trop tôt à dire. C'est trop tôt, mais pour moi, potentiellement, je me mouille, oui. Potentiellement, pour moi, il va prendre la ceinture. Et je sens qu'il est capable de battre si le record de défense tu de vois battre de Walter. Si on lui donne le title shot. Ah ouais. Mmh. Ok. Mmh. Si on lui donne le title shot, il prendra la ceinture. Parce que, attends, faut pas oublier un point. C'est qu'il y a quelqu'un aussi qui cherche à monter pour prendre une deuxième ceinture. Bah, moi, j'aimerais bien voir ce combat, d'ailleurs. Oh, ça suffit, ça, ces bêtises. Hein. De quoi monter, de monter pour prendre des ceintures. Il ne mérite pas. Léon, il dit aussi qu'il veut monter. Il a une catégorie à nettoyer. Il ne mérite pas de monter. En tout cas, il ne faut pas se voiler la face. Si Islam monte, il passera prioritaire sur Shafkat. Islam, il a pris qui dans sa catégorie pour pouvoir monter? Deux fois Volkanovski, une fois Oliveira. Donc Volkanovski, ça y est, c'est devenu le gars pas de sa catégorie, c'est pas une grosse victoire. Non, mais qui nettoie sa caté d'abord? Moi, j'attends de voir au moins qu'ils prennent. Allez, là, il y a des mains. Il ne veut pas, il a dit. Mais moi, je veux attendre au moins qu'il nettoie Tsaroukian et Justin Gaethje. J'aimerais qu'il Olivier. Il a déclaré qu'il ne voulait pas. Une fois. On enlève Olivera. Il a déclaré qu'il ne reprendrait pas Tsaroukian. Mais pourquoi il ne reprendrait pas? Ben, ça, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Mais même c'est pas lui qui décide, c'est trop tôt. Ni Olivera, ni Tsaroukian. Il n'est pas méritant, Tsaroukian, encore. Pas encore. Pas encore. Pour moi, Tsaroukian, il devrait prendre un Poirier à l'UFC 300, tu vois. Merci. Voilà. Un Poirier à l'UFC 300, pour moi, il a ses chances de battre. Il a encore du boulot dans la KT pour dire qu'il a nettoyé Volkanovski. En fait, le problème, c'est que, tu vois, il n'avait pas forcément nettoyé en termes de volume la catégorie, mais il a nettoyé le mec qui a nettoyé la KT. Il a nettoyé le mec qui était numéro 1 point for point et qui nettoyait tous les autres champions. Je parle de Volkanovski, on lui donne la chance pour aller en 155 points, dans 70 kilos, okay. C'est qu'il avait nettoyé le mec, et ça me fait mal de dire, mais qui a nettoyé le mec qui avait déjà nettoyé la KT, donc la catégorie était un petit peu dévastée. Dis le nom, il a nettoyé qui? Max Holloway. Voilà. Mais sauf que là, Islam, il a quand même encore un peu de travail. Je pense qu'il y a encore du boulot avant de monter. Non, mais je suis d'accord, pour moi, il devrait battre. Je suis d'accord, avant de monter, pour moi, il doit passer au moins sur Gaethje. Oliveira, franchement, je suis désolé, ça va peut-être vous faire mal, mais pour moi, c'est le même scénario que le premier combat. Je ne vois aucun monde. Certainement. Je vois aucun monde où Oliveira le gagne, et c'est pour ça que Makhachev n'est pas intéressé. C'est pour ça qu'il n'est pas intéressé. Oliveira, je pense sincèrement qu'on va avoir le même résultat. Je pense que Tsaroukian, s'il combat maintenant, on aura le même résultat aussi. Donc Tsaroukian n'est pas prêt. On en a parlé la dernière fois, mais il faut les faire ces combats-là. Je suis d'accord. Pour moi, s'il passe sur un Gaethje et qu'il bat peut-être un Oliveira, il peut largement monter et personne ne va rien lui dire. Moi, je vais te donner on va se remettre la casquette. On est l'UFC, on ne respecte pas forcément les logiques sportives. C'est qu'il y a un truc, ça, je pense, ça ne t'aura pas échappé. C'est qu'Olivera, c'est un des seuls mecs qui vend plus de 500 000 pay-per-view. Ouais. C'est un des seuls. Il vend plus de pay-per-view qu'Israël Adesanya, Oliveira. J'ai fait la moyenne sur les trois derniers combats, de main event des deux. Ils vend plus de pay-per-view qu'Adesanya. Parce qu'Adesanya Pereira, Qui Il y a un petit Français qui monte dans cette KT-là qui BSD pourrait... Qui pourrait non, prendre Islam avant qu'il décide d'aller. On était chez les 77 à la rigueur. Là, on a des biais sur les 70, mais. Non, mais parce que c'est lié, mais alors, et c'est pareil, alors restons sur le 77. Si Leon, après avoir battu Colby, il dit qu'il veut monter, je suis désolé, il ne faut pas. Non, il faut remettre un peu de logique sportivement. Arrêtons avec ces champions qui veulent une défense. Mais alors, c'est quoi ? Ça, c'est un débat qu'il faudrait faire un autre jour. Pour moi, ça manque de KT à l'UFC, de KT de poids. Normalement, la semaine prochaine, on peut faire un débat comme ça. Et pour moi, il faudrait probablement 2 à 3 KT en plus. Très bon débat. C'est un débat intelligent qu'on fera donc sans Big John. Celui-là, la semaine prochaine. Je rigole, je sais. Non, croyez pas que je vais arrêter le buffet de Noël quand même. Non, mais concrètement, en tout cas, bon, c'était une KT qui était stagnante jusqu'à la prise de pouvoir de Leon Edwards. Là, il va se passer pourquoi pas mal de choses. Pourquoi stagnante? Parce que Kamaru nettoyait. Très clairement, ouais. Et Kamaru ne vendait pas plus que ça non plus. Il y avait quand même... Heureusement qu'il y a eu Masvidal au passage qui a bien aidé la hype. Ça fait un million, mais il y avait aussi Holloway Volkanovski en common event. C'était une carte qui était très solide. C'est un Kamaru n'a jamais vraiment vendu. Maintenant, il y a un renouvellement générationnel comme en 70 kilos. Et il faut qu'Edward... Moi, l'étalon de mesure, c'est Georges Saint-Pierre. Hein. Pourquoi il est grand, Georges Saint-Pierre? C'est parce qu'il a lavé trois générations de contenders. Il n'en a pas lavé une, pas deux, il en a lavé trois. Et le super fight contre Anderson Silva, alors, je pense qu'il avait un petit peu peur aussi. Mais il a dit, non, je dois cimenter ma place en 77 kilos. Pourquoi John Jones, c'est le GOAT? Parce que dans sa catégorie, il a nettoyé tout le monde. Trois générations aussi. Tout le monde. Avançons rapidement, on restera chez les 77 kilos pour marquer l'histoire cette fois-ci. On va parler de Saladin Parnasse et derrière on vous fera les dernières cotes de l'UFC 296. C'est la décision tout de suite.
Ça m'aurait fait mal au cœur si on ne parlait pas de ce que va tenter d'accomplir Saladin Parnasse week-end au KSW. Pour ceux qui ne le savent pas, Saladin Parnasse, considéré comme beaucoup, comme le meilleur combattant de MMA français, pas forcément le plus connu puisqu'il ne combat pas à l'UFC. On le rappelle, il combat au KSW, donc, qui est l'organisation de référence en Europe, particulièrement en Pologne. Va là tenter de devenir triple champion de l'organisation. Il a déjà la ceinture des 66-70 kilos. Et il va défier Bartoszynski, qui est le champion des moins de 77 kilos, qui est invaincu. Qui est terrifiant aussi physiquement. Et on a appris sur les dernières semaines que c'est vraiment Saladin Parnasse qui a insisté pour avoir ce défi-là. On a vu pas mal aussi de ses tweets sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait beaucoup rire parce que voilà, ça parlait beaucoup de comment rentrer à l'UFC. Est-ce qu'il faut le faire à la Benoît Saint-Denis, voilà, commencer petit, rêver grand et détruire tout le monde sur son passage, arriver comme Michael Chandler en étant déjà une star accomplie avec un gros contrat. Il a répondu à ce tweet-là, qui était de la maison, qui était d'RMC Sport. Il y a la méthode Saladin Parnasse, c'est la moula. C'est d'aller prendre l'argent là où il est, c'est pas forcément d'aller dans les organisations. On sent quand même que cette ceinture-là, elle est faite pour dépasser le cadre du KSW, vraiment devenir un combattant incontournable sur la planète, qui doit faire tiquer un petit peu l'UFC. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat? Est-ce que vous pensez que la méthode... la moula à tout prix, c'est bien dans une carrière ou pas? Moi, je pense, rapidement, juste pour rebondir sur le tweet, pour moi, c'est de l'intox. Hein. Pour moi, c'est juste. Je crois qu'il lui reste un combat au KSW. C'est vraiment juste pour de l'intox, pour de la renégociation. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est clairement ça. Sachant qu'il y a le PFL qui est dessus. D'accord. Il y a le PFL qui est dessus et le PFL, on sait très bien à quel point ils sont généreux. Donc, lâcher un petit tweet comme ça, pour moi, c'est plus de l'intox que du réel. C'est quand même VP qui fait monter sa cote un peu. Pour moi, c'est plus de l'intox que du réel. Et pour avoir parlé un petit peu avec Saladin plusieurs fois, lui, dans son intime conviction, c'est d'être le meilleur combattant du monde. Et il le sait très bien que pour être le meilleur combattant du monde, il faut aller battre les gars, les champions de l'UFC. Il le sait très, très bien. Et il en a envie. Il en a envie. C'est pour ça que ce tweet, beaucoup de gens ont réagi, etc. Mais moi, c'est vraiment pour moi de l'intox, pour renégocier un contrat, voire même que l'UFC lui propose un peu plus que ce qu'il lui propose déjà, qui est très ridicule d'ailleurs. Mais c'est bien que vous parliez de ce tweet, parce que moi, je trouve que Saladin, il s'exprime de plus en plus. Oui. On le voit beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et déjà beaucoup mieux, mais qu'il s'exprime bien, il s'exprime énormément, il parle franchement de plein de sujets. J'ai vu beaucoup d'interviews de lui sortir. Habituellement, on voyait beaucoup Hatch, en fait, qui protégeait Saladin. Saladin combattait, Hatch s'exprimait. Là, on voit beaucoup Saladin s'exprimer dans les médias, faire, et au contraire, évoquer ces sujets-là, en éluder certains. Le sujet de son avenir, il l'élude à chaque fois, très clairement. Mais je trouve que c'est intéressant aussi, parce qu'il se place maintenant non plus comme un combattant du KSW, mais comme un combattant beaucoup plus global à part entière, générationnel. Mais parce que c'est 60-70% de la rémunération du combattant, les réseaux sociaux. C'est 70% de la rémunération. Aujourd'hui, ta communication, c'est ce qui va te remplir tes poches. Regarde un Paddy, par exemple. Un Paddy, il est arrivé un contrat de base. Le contrat suivant, je crois que c'était 3 ou 4, 5 fois plus. Il a chopé un contrat d'un million pour un podcast avec Bartool Sport, parce qu'il a des réseaux sociaux qui sont bien alimentés. Bon, l'adversaire de Saladin, il fait peur. Et puis surtout, il a 5 combats au KSW, 5 victoires, 5 KO. Il a 10 kilos de plus. Et 10 kilos de plus sur la balance, mais hors de combat, il va être à 15. Et mon petit doigt me dit qu'il a une bonne pharmacie aussi. Wow. En Pologne, c'est possible. Tu sais comment sont les contrôles antidopage. Donc c'est un vrai challenge sportif. Faudra pas sous-estimer ça. Saladin disait qu'il a fait une grosse préparation pour prendre de la masse musculaire. Et... Boris Johnstone, son coach, qui avait aussi préparé Cédric Doumbé, le dit très clairement et il donne pas d'illusions sur le combat. Il dit c'est un combat, on va épuiser l'adversaire. Hein. Le but c'est pas d'aller faire les fous. Ça, bien sûr. On vous vend pas un combat où ça va exploser au truc KO premier round, pas du tout. C'est simple. Son adversaire Bartos. C'est très très simple, c'est 14 combats, 11 KO, 2 soumissions, une décision. La décision, c'était il y a 11 combats en arrière. Ça, je ne te fais pas une image, que des KO au premier round. Donc le game plan, il est très très simple pour Saladin qui va pas chercher. Il est dans un R3 pour son premier combat. Oui, voilà, il n'y a pas longtemps. KO deuxième aussi. Mais en tout cas, c'est que des finishes sur ses 11 derniers combats. Donc autant te dire que le game plan pour lui, il est clair, c'est venir éteindre Saladin. Et Saladin, c'est pour le coup très clair aussi, c'est passer le premier round. Et l'épuiser à l'image d'un Cyril Gane qui va tourner dans une cage, qui va vraiment essayer à le fatiguer, à rentrer des jabs petit à petit, mais jamais venir au contact ou quoi. Parce que Saladin a plus d'allonge que lui. Ah bah ça, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Il a plus d'allonge que lui. Ça, je ne le savais pas, tu vois. Et ça, c'est un élément aussi qui va être déterminant. C'est qu'il a beau être plus léger, venir tout ce qu'on veut,
il va rencontrer malgré tout quelqu'un avec une allonge supérieure. Mais déjà, de taille, il n'y a pas une grosse différence. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 cm de différence. 2 cm et ça là, 4 cm d'allonge en plus. La différence, c'est au niveau largeur. Ouais, c'est bah, un peu. Et encore, face à face, moi, j'ai trouvé que Saladin, il est un peu moins large, mais c'est pas si ridicule. Saladin, il a déclaré que Barthos était plus large que Baki. Bah, alors, je sais pas si tu vois Baki un petit peu, l'armoire à glace. C'est ce qu'on appelle un cube. Barthos, il combat quoi ? Moins de 77 kilos, donc ça veut dire qu'il doit faire 85 kilos à peu près à l'année. Saladin, il est plus proche des 72-73 à l'année. Il y a quand même une grosse différence. Je pensais qu'il fera combien en combat, Saladin ? Hors combat ? Hors combat, il est entre 75 et 80 du combat. Ouais. 78 ? Ouais. Le sort du combat ? Ouais. Moi, pour moi, il sera à 80, environ 80, tu vois. Et à mon avis, il peut largement monter plus hein, s'il veut. Mais il veut pas perdre voilà, sa vitesse. Voilà, exactement. Je pense qu'ils vont vraiment miser sur l'agilité et la vivacité. Et du coup, cette information-là de son allonge, elle est très importante. Parce que allonge plus vitesse, ça fait deux très gros atouts. Et le cardio, parce qu'on sait que Saladin, il a un bon cardio. Après, sur la suite, alors admettons, on se promette qu'il arrive à faire cet exploit, parce que ça sera un exploit. Très franchement, moi, j'ai du mal à le voir ne pas continuer au KSW. Je pense que le KSW, ils ont des projets, c'est un peu le serpent de mer, mais pour venir en France. Le KSW, ils ont de l'argent. Et Saladin, c'est vrai qu'il a envie d'aller à l'UFC, mais il est encore jeune, il sait qu'il a le temps. 25 et je pense que le contrat que le KSW sera en mesure de lui offrir, s'il prend les 3 ceintures, il n'y a personne qui pourra s'aligner. Même pas l'UFC, ce que tu veux. Le PFL. Et je pense que même pas le PFL. Je pense que le KSW, etc. Tu penses qu'ils vont doubler ? En fait, c'est pas trop de se dire est-ce qu'ils n'ont pas les moyens. Est-ce qu'ils voudront mettre les moyens sur Saladin ? Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que la cote de Saladin, s'il reste au KSW, c'est, là, il est à 75 000 par combat. Donc, ça va être du 150 000 par combat. Faut quand même avoir conscience que si Saladin gagne, s'il se barre, le KSW s'écroule. Ouais. Parce que t'as un mec qui aura quand même plié 3-4 et déjà, quand on voit le niveau de Matheus Gamrot à l'UFC, on peut quand même se poser des questions sur le réel niveau global du KSW. Mais si là, t'as Saladin qui gagne et qui après se barre, on pourra vraiment avoir de grosses questions. Par rapport à son tweet, il a 26 ans. S'il re-signe 2 ans au KSW, qu'est-ce que ça peut faire hein ? Il aura 28 ans, il sera même pas encore en plein prime athlétique. Ah, il est jeune encore, hein. Il est jeune. Mais pour faire quoi ? Il a déjà plié. Enfin, il aura. Non mais oui, voilà, c'est ça. Non mais c'est ça. Il aura plié 2 catégories pliées. Il en reste une, bien sûr, qui va prendre. Donc on peut pas considérer que la 3e il l'aura pliée non plus. Mais il va quand même boucher 3 catés. Si il gagne et. En tout cas, c'est s'il gagne, c'est que ça reste un combat. Extrêmement et j'ai très peur, moi. J'ai très très peur à tel point que je le vois pas gagner. D'accord. Alors, c'est pas du tout mon souhait. Un certain moment, alors on les a pas ces cotes-là sur KSW, mais sur les cotes polonaises, ça fait je sais pas combien d'années que Parnas est favori. Là, il l'est pas. Il est underdog. Non, mais c'est logique. Ouais. C'est logique parce qu'en face de lui, il a Barthos qui est un énorme, déjà, lutteur, un gros lutteur, alors qu'il met des KO. Et c'est donc, beauté, grosse lutte, plus gros physique, plus gros KO power. Mais la dernière fois que Saladin a perdu, c'était comment ? Torres. Un petit biceps qui avait tapé l'avant-bras ou le biceps qui avait tapé son crâne. Donc t'imagines une grosse patate de Barthos en plein menton. Je suis pas sûr que Saladin il puisse en encaisser plusieurs. C'est pas la même catégorie de poids, pas la même réhydratation. Je pense qu'il va mieux encaisser les coups. Et qu'il a beaucoup appris, on en a parlé ensemble, il a beaucoup appris du fait de s'être fait mettre KO. Il a beaucoup resserré des choses défensivement. Il est fort, hein, le mec en face, mais je trouve qu'en termes de striking, il est pas très élaboré, pas très sophistiqué. Et que Saladin, défensivement, a le striking. Mais il va jamais chercher à striker avec Saladin. La clé, de toute façon, ça va être de faire durer le combat. Si tu passes le premier round, déjà, t'as fait la moitié du taf. Après. La suite, round. Julien a raison, hein. S'il a bouché 3 catégories. Dans le chat, on dit que le One a fait une nouvelle levée de fonds, et je le confirme, le One a fait une levée de fonds. D'ailleurs, vous verrez un One à Doha en mars. Oh. Ok. Allez hop, c'est posé comme et ça. Et le One, pour avoir parlé en off avec Saladin et son équipe, le One sont très, très, très intéressés par Saladin. Mm-hmm. Mais très, très intéressés. Parce que c'est vrai qu'ils ont des gros salaires. Hein. C'est-à-dire que, tu vois ce que tu me disais tout à l'heure, qu'il pourra s'aligner. Mais quand tu m'as dit qu'il pourra s'aligner, pour avoir parlé en off, le One sont vraiment très intéressés. Tu connais les salaires, par exemple, de Reigné de Ryder, là ? Non. Il prend 250 000 pas de par combat depuis qu'il a pris la ceinture. 250 000, plus, je crois qu'il est à 100 de prime de victoire. Et à côté, quand il fait les combats de grappling, là, il prend 80K.
C'est quand même énorme. 80K et 50K s'il fait la soumission de la soirée. Par contre, si ça la va au one, je suis désolé, mais c'est catastrophique. C'est un peu dramatique pour nous, pour le regarder. Pour nous, en tant que spectateur. Là, je parle en tant que spectateur. Saladin contre Sage Northcutt, c'est pas mal. Non, arrête. Non, je suis désolé. Le blaze que t'as ressorti. Sage Northcutt, il combat contre Aoki, là. Non, ils peuvent faire un super fight. Contre Demetrius Johnson. Mighty Mouse contre un Saladin moins de 66 kilos, pourquoi pas. Tu sais que le one, dans les catégories de Saladin, c'est un bon bien. Rappelez-vous, Eddie Alvarez, quand il part et qu'il signe là-bas, il est toujours top 5 de l'UFC, il se fait déboîter. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas la même clé, les mêmes franchement, pas les mêmes protocoles de pesée. On parle même pas en termes de niveau. On parle même pas en termes de niveau. Là, on parle de. Non, parce qu'il disparaît des radars. Après, si je suis Saladin et qu'on propose du pognon pour aller au One, c'est ça. Avec les contrats de sponsoring que potentiellement je peux prendre en plus en Asie. Tu vois, par exemple, moi, j'en avais parlé avec lui en toute transparence. Avant qu'Abdoul signe au PFL et qu'on voyait que l'UFC s'attardait à venir, je dis Abdoul. Le One, c'est pas mal pour toi quand même. Mmh. Parce qu'il y a les combats de grappling, parce que tu peux faire. Tu peux prendre facilement des ceintures et te faire des gros chèques. Mmh. Moi, je pense que quand Saladin dit la moula, c'est, quand même, ça reflète un moi, peu ce qu'il pense. Moi, je pensais que Doumbé irait au One. Hein. À l'origine, je pour pensais. Pour faire du kick aussi. Pour faire les deux et pour prendre des. Pour prendre se faire déboîter par des. Non, mais est-ce qu'en termes de com et de hype, de marketing, d'image de combattant, le c'est One, fini. Ça te met pas un petit. C'est fini. Tu vas prendre des commus asiatiques, mais etc. C'est une certitude. C'est fini où mais dans en les France. Pays. En France, oui. Quand tu penses à Anissa Mexen, par exemple, qui. Très connu. Pierre combat là pour une ceinture intérimaire, je crois que c'est au mois de janvier. Mais qui est très connu, on va dire, des spécialistes ou de ceux qui sont assis de suiveurs du One. Je pense qu'il y a plein de gens en France qui ne savent pas qui c'est. Est-ce qu'on risque pas de. Sacha, est-ce qu'Anissa Mexen, tu penses qu'elle va vivre une vie correcte financièrement? Ah bah, je pense que oui. Voilà. J'ai l'impression en est-ce tout que cas. Tu penses qu'un mec comme Reigné de Ryder qui n'aurait eu aucune chance à l'UFC, il va vivre une vie correcte avec les millions qu'il a en banque? Pour te faire un parallèle, il y a 2 ans et demi, quasiment 90% des gens, des nobis du MMA, ne savaient pas qui était Mansour Barnaoui. Pourtant, c'était déjà un millionnaire. Non, mais je pense MMA. À Sami Sana aussi, c'était qui est un mec ultra dominant, mais qui est aussi méconnu. Et on sait que quand ils reviennent en France, il y a des mecs qui ne savent plus qui c'est. Quoi. Voilà. La fame, c'est cool, mais ça ne paye pas les factures. C'est ça. Et moi, je parle uniquement en tant que spectateur. En tant que spectateur, voir Saladin One, pour moi, c'est une déception totale. Et je serais dégoûté en tant que spectateur. Par contre, si je me mets à la place de Saladin, La moula, comme il dit. Mais encore une fois, je pense que son tweet, c'est d'un top pour justement Ritonon en MMA. Ah, ça peut être sympa. En tout cas, un Doumbé MVP, moi, ça me va. On en parle du fait Doumbé de faire le parallèle. Le Doumbé MVP. Si Saladin rejoignait Doumbé au PFL. C'est très possible. Hein. Pourquoi pas hein, parce que bon, c'est qu'il y a... Parce que Saladin, que ce soit en 70 ou en 66, les champions, il peut les prendre. Ouais, après, il risquerait de croiser Abdoul aussi en 70 s'il va au PFL. Ouh là là. Attends, Abdoul, ah, là, c'est notre histoire. Ouais. Courage pour les cuttings. Attends, c'est bon. Ils l'ont fait avec les. Ouais, non, ils ont déjà fait le test et tout. Hein, ils sont pas, descendus à 70. Ils sont descendus, pour être tout à fait transparent, pardon Clément, mais ils sont descendus à 74. En se disant, est-ce qu'on a encore de la marge? Et Clément a calculé, ils avaient encore de la marge pour largement faire 70. Ah, bah ça, c'est une info intéressante. Bon. Est-ce qu'on part sur les conduire, ça, Clément. On part sur le dernier code, l'UFC 296. Il nous reste 2-3 combats. Let's go. Allez. Allez, c'est parti. Les combats qu'on n'a pas évoqués. Le Paddy Pimblett contre Tony Ferguson. Obligé d'en parler. Donc, Tony Ferguson, pour vous donner un petit peu le paysage. Légende sur le déclin. Un déclin très certain. Paddy Pimblett, combattant qui a une cote très élevée. Est-ce que je peux J'ai cru que t'allais dire légende en construction. Est-ce que vous légende de la coupe au bol, légende de la graille, légende du surpoids hors combat. Tu l'aimes bien. je l'adore. Est-ce que vous me laissez 30 secondes pour essayer de vous convaincre que Tony Ferguson va le faire? Vas-y. Oula. Le striking de Pimblett est dégueulasse. Ouais. Pimblett a un sol correct, mais Tony a un très bon sol aussi. Non, il a un bon sol. Correct, hein, ce serait méchant. Il a quand même il un, a bon, un pas très dit, bon sol. Il a un oui, bon c'est sol. Les black belts, etc. Mais Tony a un très bon sol aussi. Et moi, je crois au fait que Tony se soit enfermé pendant 20 jours, qu'on l'a vu vomir sur ses tapis de course, qu'il s'est remis d'aplomb, etc., etc., qu'il a repris, comme il a dit, les OG dans son coin avec Eddie Bravo et compagnie. Et je vois Tony ouvrir le crâne de Paddy Pimblett à coups de coude et le terminer en le soumettant au deuxième round. Alors, c'est peut-être un petit peu surréaliste, mais je crois en l'esprit de Noël et j'espère que ça va se passer comme ça. Alors, je te suis sur un truc. Supposons que son travail avec David Goggins, ça soit bien passé. Je rappelle quand même que David Goggins était aussi dans le coin de John Jones, contre Cyril.
Supposons qu'il soit remis la tête à l'endroit, qu'il ne nous fasse pas un Tense Planet fight en tentant un Imanari roll dès les 20 premières secondes. Ouais. Là, je te suis. Mais s'il recommence à déconner, à tenter un Imanari ou à tenter une énième truc à la volée ou n'importe quoi, il est foutu. Les darts qui tentent là du tout. Le daf. Voilà, pour moi, c'est ça son problème. Il peut largement overstriker, il peut largement dominer, m'a dit, mais il peut aussi complètement disjoncter et tenter un truc, mais abscon, pendant le combat. Et Paddy, c'est le combat qui est censé le faire encore plus monter à l'UFC, là où déjà il s'était imposé sur. Bah, je sais pas, parce que si. Bah, c'est Bartoni... un nom, c'est le vrai nom qu'on lui. Ah, bah si, ouais, Paddy, c'est le combat pour le rendre Starlet encore plus que ce qu'il est. Non, top 15. Il y a même moyen qu'il le mette dans le top 15. Et Pimblett l'a dit, il en a très conscience. S'il bat Tony, il gagne rien, parce que c'est un Tony Ferguson qui reste sur 6 défaites d'affilée. Et les gens sont pas non plus. Il a plus à perdre qu'à gagner. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a plus à perdre qu'à gagner. Mais il gagne rien s'il le bat. Mais il va gagner. Donc il a rien à perdre. Il bat Ferguson, il ne gagne rien. Ça ne veut rien dire. Ils vont le mettre top 15. Tu verras qu'ils vont le mettre top 15. Oui, mais ça parce que les classements qui les regardent. Hein, les gens qui croient au conte de fées, qui croient au Père Noël. Mais est-ce qu'on y croit à Paddy? Parce que bon, non. On va pas se mentir. Hein, l'impression générale de Paddy, c'est il est giga surcoté. Comme il est rigolo, on le fait monter. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un truc derrière? Giga surcoté. Je suis pas d'accord. Surcoté, je suis d'accord. Mais giga, je suis pas d'accord. Par contre, Paddy, comme vous l'avez dit, il a un très très gros sol. Et moi, je le vois soumettre Ferguson. Alors moi perso, je le vois giga surcoté parce qu'il a vraiment zéro striking. Ouais, il prend. On nous parle de son sol, mais contre qui il a, faut voir les adversaires qu'il a affrontés. C'était pas non plus des mecs monstrueux. C'est quoi, c'est Levitt le dernier qui soumet, je crois. Non, mais tu sais pourquoi? Écoute, il a deux triangles à la volée. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est le personnage, le show, le côté irlandais une fois de plus. Perso, Liverpool. Si j'ai un Tony, ouais, c'est pas très loin. C'est l'Ouest, c'est pas très loin. Si j'ai un Ferguson à 70% de ce qu'il a été, pour moi, il est un Pimblett. Et en tout cas, à 3,25, je sais que je préférerais jouer Ferguson que. Et ça fait combien de temps que Ferguson n'a pas été à 70%? C'était au premier round contre Chandler. La dernière fois qu'il a été à un niveau correct, c'était au premier round contre Chandler, parce qu'il le prend. D'ailleurs, le premier round contre Chandler. Ouais. Et moi, je me disais. Ah non, en fait, il n'est pas fini. Il est là, Tony. Il a battu Chandler dans le round de Chandler. Le premier round, c'est tout le temps le round de Chandler. Il l'a battu. Et après, malheureusement, une âme s'est envolée. Un menton s'est envolé avec l'âme. Et la suite, bah, c'est que des finishes. Ouais, enfin, après ce combat-là, c'est que des finishes. C'est une guillotine personnelle. Darius, c'est une décision, non? Darius, c'est décision. Oliveira, c'est décision. Après ça, c'est Chandler. Chandler lui Darius, prend son. C'est pas avant Chandler? Non, Darius lui prend. Tu mets un doute, mais je crois pas. Quand il tape pas sur la clé de la. Pour moi, c'est Chandler et Green après. Non, Darius, c'est avant Chandler. Ouais. Y a Oliveira, Darius. Chandler lui prend son menton. Derrière, il perd contre Nate Diaz par guillotine, le combat le plus mou et le plus lent de l'histoire de l'UFC. Ensuite, il se fait étrangler bras-tête par Bobby Green. Oui. Alors là, du coup, là, je me dis que Pimblett, ouais, effectivement, peut le soumettre. Il va le soumettre. Il va l'étrangler. Il va l'étrangler parce que Ferguson, il va nous faire quoi? Il va nous faire deux bonnes minutes au premier round. Où Paddy va essayer de rester debout, sauf que Paddy, il mange et il encaisse à pleine patate. Donc, il va manger plein de coups de Ferguson dans les deux premières minutes. Et à un moment, ça va se retrouver au sol. Sauf que, Hannes, là, tu parles de Bobby Green, qui étrangle Ferguson. C'est qui le soumet avant? C'est Nate aussi. Et là, on parle de deux mecs qui ont quand même un striking défensif bien plus élaboré que Paddy Pimblett. Non, mais. D'accord là-dessus. Laisse-moi y croire. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On aime tout de mon cœur. Je rêve de le voir gagner. Mais d'ailleurs, je rêve pas trop de le voir gagner parce que j'ai peur qu'en cas de victoire, il se voit déjà repartir pour un run vers la ceinture. Il va call out Khabib. Est-ce que vous vous rappelez des problèmes qu'il avait eu? Qui Tony? Il a défoncé les murs de chez lui. Lesquels problèmes? Il avait kidnappé son fils. Il était parti à pied avec son fils, il avait marché 30 km parce qu'il pensait que son fils était la réincarnation de Jésus. Ah oui. Il avait cassé les murs de chez lui parce qu'il disait. Il y avait des aliens dans les murs. Ouais, les aliens avaient mis des micros pour l'écouter. La Terre est plate. Ouais, non, la Terre est plate. Non, mais ça, est-ce que t'as le nombre de runes sur ce combat-là? Parce comme qu'en tous vrai, les mecs de tête, la Terre est plate et son cerveau est carré. Les nombres de rounds, attendez, je dois avoir ça. Ouais, j'ai plus de 1,5, moins de 1,5. Et allez, plus d'un. Oula! Ah non! Vas-y, mets moins de 1,5. Bon, alors, le chrono officiel, John. Pimblett, moins de 1,5? Tu sais quoi? Alors, chrono officiel pour moi, Ferguson, parce que la cote à 3,25. Je suis à deux doigts de te suivre. Ouais. Parce que cote à 3,25, ça vaut le coup de mettre un billet quand même. Paddy soumission, c'est combien? Tu l'as ou pas? Il n'y a pas? Paddy soumission, round 3 même, si vous voulez plus de détails. Jus? Moi je mettrais un billet sur Ferguson juste pour le fun, parce qu'avec une cote pareille, ça vaut le coup quand même. Voilà, c'est parce que la cote est intéressante. Oui, bien sûr. Mais tu crois pas du tout. Non, moi je crois en l'esprit de Noël. Tony Ferguson,
par une soumission à la Content Planet juste pour que oui allez Banana Split allez t'as raison moi je crois en Banana Goblin ah oui Boogeyman qui a gagné ce week-end sur Rubber Guard il est foutu de nous faire une Rubber pour lui rendre hommage exactement on va voir je vous donne le dernier combat qu'on n'a pas évoqué et pour le coup celui-là je pense que ça va être un super combat mais on n'en a pas parlé Alex Pantoja qui remet sa ceinture en jeu des moins de 57 face à Brandon Royval on est sur peut-être les deux mecs qui débitent le plus de coups dans leur catégorie à la minute sauf qu'il y a une classe des 40 les deux. Donc je te donne la parole, on va aller vers Pantoja par décision. La même. Ouais, Pantoja par décision, mais je mets quand même un gros attention sur Brandon Royval, hein, qui peut éteindre. Ouais. Mais il est fragile. Il est fragile, ouais. mais il rend fragile les gens aussi. Mais je pense qu'ils vont s'envoyer dès la première seconde. Et puis ça part en plus. Je suis assez sûr de Pantoja, ça. Pantoja, il est plus crédible. Ouais. Un petit crédible. Moi, je John. Mettrais Pantoja, mais c'est un synchrone. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Donc Pantoja dans les synchrones. Ouais. Ok. Avant la limite. Tu veux que je te mette les nombres de rounds ? Si tu l'as, ouais. J'ai ça. Mais si t'as Pantoja plus le nombre de... Ouais, tu sais quoi ? Plus de 2,5 rounds à 1,92, je le prends. Parce que là tu choisis pas de combattant, tu choisis juste le nombre de rounds. Et j'ai mais le combat va à son terme, oui ou non ? Moi, je mets oui. C'est 2,75. Oh, elle est pas mal, celle-là. Moi, je mets oui. Elle est pas mal. Bon, ça s'affiche pas. Je vais pas... Je vois quand même Pantoja avant la limite, perso. Okay. Pantoja avant la limite ? Ouais. Tiens, hein. Ça me surprendrait pas, mais ouais. Si je devais choisir, oui. Ça se tient. J'en profite pour le mot de la fin assez rapidement. Donc, bon, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Lohsen Keita qui a réussi à reprendre sa ceinture des moins de 66 sur un KO. Il a volé une âme. Ah ouais, non. Oh ah, pourtant, Samson Idze se fait un premier round de qualité. Que tout est effacé en quelques secondes au deuxième round. Et je voulais aussi donner un peu la force, parce qu'il y a une grosse carte du RS hein, ce week-end. Ah bah oui. Des belles ceintures à la clé, on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Il y a Axel Sola contre Yunusov. Turpal Yunusov. Virgil Hogan contre, j'ai oublié le nom de son adversaire. Shigemoto. Mais Virgil va prendre la ceinture de cette manière. Mmh donc, attention Attention. Je pense que le Boxing Squad aura deux champions de l'ARES. Oula. Alors sur Virgil, je te rejoins même si je mets un petit attention. Par contre, tu repales Axel Sola. Moi, je vois clairement Monsieur Propre, qui est Axel Sola, qui est hyper clean, hyper académique, tout est parfait. À chaque fois, il n'en loupe pas une. Mais le côté imprévisible de Turpal. Anes, pour moi… Moi, je mets un 55-45 Turpal. On a oublié qu'il était Axel quand même. Moi, pour moi, le matchmaking, c'est un crime. Wow. Ah oui, les deux, tu ne dois pas les faire s'affronter parce que les deux sont les grosses pépites. Non, parce qu'il y a un mec qui était numéro un point fort en amateur, qui a une centaine de combats, qui a roulé sa bosse, qui a beaucoup plus d'expérience. Et je ne te dis pas que Turpal, il ne va pas faire une belle carrière parce que j'adore Turpal. Mais c'est juste qu'en termes de ils ne sont pas au même niveau dans leur carrière. Ah ouais, et je pense que ça peut faire très très mal pour Turpal. Dans leur carrière, d'accord. De maturité, ouais. Mais en termes de niveau intrasèque, techniquement. Bah, Axel est au-dessus de la tête. Les gars. Vous voyez vraiment Axel sans aucun doute. Gardons ça en teasing. On a. Un côté Axel Sola, on a un côté Turpal Yunusov. Je suis pas si convaincu, moi je mets 55-45. On va voir, ça se passera ce week-end. Merci en tout cas messieurs pour cette belle émission. Il y a eu plusieurs personnes dans le chat qui ont dit que c'était une des meilleures émissions, ils ont beaucoup apprécié. Donc merci à tous ceux qui étaient présents, merci Anes d'être passé nous voir. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci Big John pour ce comeback, merci Julien. Merci tout le monde, merci la régie. C'est bon, je peux retourner me coucher. Ouais, je sens que là, il commence à sombrer un petit peu. Merci à tous, on se retrouve lundi prochain à 15h, il y aura un débrief et on fera sans doute des débats. Ouais. Et on aura peut-être le livre aussi. Ah, de la femme de Yann Gary. Ah bah moi, si on a des petits bonus comme ça. On verra si on vous le fait gagner dans le chat. En tout cas, force à vous. Merci d'être là. Rendez-vous lundi prochain. Passez une excellente semaine et suivez tous les combats dont on a parlé ce week-end, bien évidemment. Ciao les amis.